Bonjour à tous et bienvenue parmi nous. Je m'appelle Thomas Guillochon, je suis directeur marketing et développement de HelloAsso et j'ai le plaisir d'animer cette table ronde organisée par Microsoft, Solidatech et HelloAsso dans le cadre de la Social Good Week 2016. Avant de passer la parole à nos différents intervenants, je tenais à démarrer cet événement en vous partageant quelques chiffres qui me semblent importants à connaître. Aujourd'hui, dans le monde, en ce moment même, on compte 3 milliards d'internautes qui sont connectés, c'est-à-dire presque un être humain sur deux. Et ce qui est important, c'est que sans cesse, des dizaines de milliards de data sont échangées sous la forme d'emails, de vidéos, de photos, d'achats, de dons, tout un ensemble d'actions. Ça fait à peu près 30 secondes que j'ai pris la parole et sachez que durant ces instants, il y a déjà 75 millions d'emails qui ont été échangés, il y a près de 60 000 appels Skype qui ont été lancés et 650 Uber sont en cours de destination. Ces chiffres peuvent donner le tournis, mais ce qui est important surtout, c'est qu'ils nous démontrent l'importance prise par le numérique dans notre quotidien. Rappelons-nous qu'il y a à peine 20 ans, le web était considéré par beaucoup comme une lubie, comme un outil réservé à une élite informaticienne. Et aujourd'hui, que vous ayez 7 ou 77 ans, vous pouvez être connecté directement par votre smartphone, par votre ordinateur et même votre thermostat. Alors oui, le web a transformé et continuera à métamorphoser nos vies, nos modes de consommation, nos interactions sociales ou encore notre façon de s'engager en tant que citoyen. Durant les 90 prochaines minutes, nous allons au travers de témoignages d'experts, de porteurs de projets ou encore de start-up essayer de comprendre comment le numérique, comment le big data, comment le cloud peuvent transformer le monde, peuvent changer nos actions en tant que citoyens. Le web n'est pas qu'un grand centre commercial, il est avant tout une opportunité pour nous, acteurs et partenaires de l'innovation sociale, de changer le monde et d'agir au quotidien. Sophie, Edouard, Nesrine, je vais vous passer la parole. Pour cette première partie de la table ronde, on va écouter d'abord Sophie Vanier, qui est cofondatrice et directrice générale de la Social Factory, Edouard Parenville, responsable de l'offre cloud chez Microsoft, et Nesrine Dani, responsable du programme Solidatech. En guise d'introduction, je cède la parole à Sophie. C'est à toi. Bonjour à tous. Merci Thomas, merci beaucoup à Solidatech, HelloAsso, Microsoft pour cette invitation. Je suis très honorée d'être ici, très honorée aussi d'être entourée de tant d'entrepreneurs et de professionnels qui ont une passion et qui expérimentent le social good et qui expérimentent notamment sa rencontre avec le cloud et le big data. Donc, tu m'as présenté rapidement. Moi, donc, je suis co-dirigeante d'un réseau d'espaces de travail collaboratif dédié à l'économie positive qui s'appelle La Ruche. Et vous l'avez compris, je ne suis pas une grande spécialiste du cloud informatique. Par contre, à La Ruche, on est un véritable laboratoire, un cloud d'innovation sociale, si je peux dire. Et on expérimente des rencontres parfois inattendues, celles de métiers différents, de professionnels, de personnes qui semblent ne rien avoir en commun, mais qui se rencontrent et se lient pour créer de l'impact, notamment sociétal. Donc effectivement, on a un petit concept qu'on aime bien, qu'on appelle la bissociation. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un processus créatif qui a été pensé par un philosophe hongrois qui s'appelle Arthur Kessler et qui dit que la bissociation, c'est avant tout une rencontre entre deux univers qui existent déjà en parallèle et qui, une fois qu'ils se connectent, créent un nouvel univers inédit. L'intelligence artificielle est un exemple de bissociation puisque c'est la rencontre de deux sciences, les mathématiques et la philosophie. Donc c'était vraiment la rencontre entre ceux qui pensaient la logique et la pensée humaine et puis ceux qui pensaient le calcul et l'intelligence artificielle est née. Pour donner un exemple peut-être plus trivial, il y a la valise à roulettes. Il y a toujours eu des valises, il y a eu des roulettes, puis un jour la valise à roulettes existe, la planche à voile ou même le code-barre qui tire sa technique du cinéma, puisque ça tire sa technique de la lecture des bandes-son au cinéma, mais par contre son inspiration du braille, qui est donc une façon d'appréhender la lecture pour les malvoyants. Alors pour revenir au social good et plus globalement, on va dire à l'entrepreneuriat social, ça fait maintenant une dizaine d'années en France qu'on expérimente déjà cette bissociation, c'est-à-dire la rencontre entre une logique entrepreneuriale, je vais tendre vers un business model pérenne, je vais valoriser un produit ou un service, et vraiment l'action sociale, c'est-à-dire je veux œuvrer pour le bien commun et l'intérêt général. Et donc depuis 10 ans, le champ des possibles a été immense et l'entrepreneuriat social a vraiment montré sa puissance d'innovation. Voilà qu'intervient le cloud, donc le social good et le cloud, donc je ne sais pas si Kessler aurait été d'accord de parler de trisociation, mais bon, en tout cas ça y ressemble et ça donne vraiment naissance, et on le voit au quotidien, à toute une portée de projets et d'opportunités extraordinaires.
si je dois citer qu'un exemple, et puis en plus ensuite, on aura l'occasion d'entendre beaucoup d'autres exemples de ces rencontres-là, c'est l'exemple d'un projet qui était sous forme de SIC, donc c'est une société coopérative d'intérêt collectif, donc une organisation à gouvernance participative qui est née sur un voilier à Marseille, qui se développe aujourd'hui aux États-Unis, partout dans le monde, et qui a développé un algorithme apprenant pour les sourds et les malentendants qui va leur permettre d'être avertis d'un son important dans leur environnement. Par exemple, je suis salarié sur mon lieu de travail, je suis averti via mon téléphone grâce à cet algorithme, parce que j'aurais préenregistré l'alarme par exemple, ou quelqu'un d'autre l'aura fait, qu'il y a une alarme incendie. Je suis dans la rue, un chien aboie, je suis prévenue, je suis dans un hôtel, on toque à la porte, j'en suis informée. Donc ça c'est un exemple, mais sur un secteur. Mais aujourd'hui, cette rencontre entre le cloud et le social good, elle doit s'effectuer dans tous les secteurs, dans tous les métiers. On parle de e-santé, de civic tech, d'inclusion numérique aussi. Donc voilà, l'éducation, l'insertion par l'activité économique. Et donc du coup, le champ des possibles est immense. Pour conclure sur la dissociation, et puis je laisserai peut-être avec des questions. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions qu'on se pose au quotidien en tant que partie prenante de ces rencontres. C'est la première, c'est comment on va faciliter ces rencontres. Donc là, il y a des projets, on va en entendre, hein, Live for Good, Data for Good, etc., qui va permettre la rencontre entre effectivement le web social et la partie plus technique, cloud et data. Comment on va l'évaluer? Et puis aussi, est-ce qu'on est, nous sommes les parents ou les enfants de ces rencontres, en quelque sorte? Quelle est notre responsabilité vis-à-vis de ce que nous sommes, de ce que nous allons créer? Donc, c'est des questions qu'on se pose, on n'a pas de réponse établie. Je pense qu'on va avoir toute une série de réponses pendant cette heure qu'on va partager ensemble. Merci Sophie pour cette introduction. Sophie va aussi revenir en conclusion. Donc elle a le lourd challenge de pouvoir bien écouter tout ce qui va se dire pendant cette table ronde et de pouvoir prendre une casquette technique, cette fois-ci, plutôt en termes de réaction. Je suis assez concentrée. Et voilà. Je vais passer la parole à Edouard. Edouard, c'est effectivement notre monsieur Cloud, c'est notre monsieur Big Data côté Microsoft. Edouard, vous êtes donc responsable de l'offre Cloud chez Microsoft. On a eu l'occasion d'échanger en amont de cette table ronde. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est, assez raccord, c'est que la transformation digitale est aujourd'hui une réalité pour tout le monde, pour tous les secteurs d'activité. Mais en fait, quand on parle de transformation digitale, on se rend compte souvent que c'est aussi un buzzword. C'est un mot un peu fourre-tout dans lequel on dit plein de choses. Et donc, on a toujours cette question derrière, c'est mais qu'est-ce qui se cache derrière le mot transformation digitale? Plus de ça, aujourd'hui, vous allez entendre parler de transformation digitale, moi je vais dire transformation numérique. On utilise plein de terminologies qui, au final, veulent dire à peu près la même chose. Donc, la première question, Edouard, c'est comment pourriez-vous, nous expliquer comment chez Microsoft vous accompagnez directement les organisations, que ce soit des entreprises, des ONG ou des porteurs de projets dans la transformation digitale? Déjà, bonjour à tous et merci Thomas de donner l'opportunité à Microsoft d'être représenté sur cette table ronde et de pouvoir participer avec Solidatech et Eloasso à cette bel événement, à cette belle semaine. Ce que je voulais rappeler, effectivement, pour être le plus concret possible, tu mentionnais en introduction un certain nombre de chiffres qui fondamentalement donnent le tournis effectivement sur le nombre de devices, le nombre d'appareils connectés que nous avons tous au quotidien, le nombre d'emails ou de données qu'on échange au quotidien. Ce sont des chiffres qui sont exponentiels et effectivement, si on refait le même exercice dans quelques jours, ces chiffres auront encore évolué. En fait, ce dont on parle là, effectivement, il y a différentes terminologies, transformation numérique, transformation digitale. Fondamentalement, l'effervescence de ces technologies numériques, en fait, on parle là de la troisième révolution industrielle. C'est comme ça qu'elle est caractérisée. C'est quelque chose qui est massif. À la fois par effectivement son ampleur, ça concerne tout le monde, les particuliers, nous tous au quotidien, dans nos familles, nos enfants dès le plus jeune âge. Ça concerne les entreprises, quelle que soit leur taille, des start-up aux plus grands comptes, aux sociétés par exemple du CAC 40 en France, tous les secteurs d'activité. Et ça concerne effectivement, et c'est le but de cette semaine et de cette session, les organisations à but non lucratif, les associations dans leurs ensembles, qui aujourd'hui doivent effectivement prendre parti, doivent leverager toutes ces technologies qui sont maintenant disponibles.
Alors nous, Microsoft, on a un positionnement qui est extrêmement clair puisqu'on a cette volonté d'accompagner l'ensemble de cet écosystème. Et on voit bien par rapport à ce que j'expliquais qu'il est très large, encore une fois, du particulier vers les entreprises en passant par tout type d'organisation et les associations. On va les accompagner au travers de différents axes. On a, au travers de notre CEO Satya Nadella, une stratégie qui est parfaitement claire autour de quatre axes, qui est à la fois d'accompagner finalement les entreprises et les organisations à être plus proches et à engager beaucoup mieux leurs clients ou de manière plus générale leur communauté, leur écosystème. Deuxième élément, c'est donner effectivement plus de pouvoir, plus d'outils pour libérer le potentiel des salariés ou des adhérents ou des volontaires d'une association. C'est également une opportunité pour les entreprises de pouvoir réinventer leurs process. On a aujourd'hui des sociétés, des organisations dans leur ensemble qui ont tout un tas de technologies qui, en fonction de leur taille et de leur historique, va être plus ou moins complexe. Et notre volonté, c'est vraiment les accompagner pour simplifier ces process, pour qu'elles soient plus efficaces en fait, au quotidien. Et la dernière étape qui est absolument cruciale, et on a de plus en plus d'exemples à partager sur ces sujets-là, c'est fondamentalement la transformation des business models, des idées, si on prend exemple des start-up ou des associations. Parce qu'aujourd'hui, le numérique, de manière générale, et chez Microsoft, ça se traduit par exemple par les technologies du cloud, permettent finalement à ces entreprises, à ces organisations de réinventer leur business model, de réinventer leur manière d'adresser les clients, d'adresser leur communauté de manière beaucoup plus simple et efficace. Donc ça, c'est maintenant dans notre ADN et je pense que finalement, au quotidien, les employés de Microsoft, notre écosystème, on travaille dans ce sens. Alors, pour aller un niveau plus loin, Thomas, en fait, je voulais simplement rappeler qu'une fois qu'on parle de troisième révolution industrielle, qu'on parle de l'effervescence, l'émergence de ces nouvelles technologies, ça pose quand même quelques questions, et on aura probablement dans la salle ou sur le web pendant la session. Pourquoi ? Parce que pendant que certains atteignent cette troisième révolution en fait, industrielle, d'autres n'ont pas forcément encore atteint la deuxième. Et donc, on a effectivement cette disparité au niveau du monde, au niveau des pays, au niveau des populations. Et donc, l'enjeu est celui, le leadership que Microsoft prend par rapport à ça, c'est de proposer un cloud et des plateformes technologiques qui soient équitables d'une certaine manière, qui soient socialement bonnes et qui puissent permettre à tout le monde de pouvoir profiter de ces technologies. Donc, on reviendra, je crois, à la fin de cette table ronde sur les propositions concrètes que Microsoft nous souhaitons faire. Mais donc, on a cette volonté de proposer des technologies cloud qui soient à la fois fiables, techniquement, qui soient responsables. On a par exemple annoncé nos premiers centres de données qui sont maintenant uniquement à énergie renouvelable grâce à des centres d'éoliennes. C'est un exemple et d'autres vont suivre. Et également un cloud qui soit ouvert, donc vraiment ouvert à tous. Donc ça, c'est dans nos ADN. Et pour terminer, puisque effectivement, ça se traduit par tout un tas d'expériences, de projets que nous menons avec nos clients sous forme de partenariats. Mais il y a quelques secteurs aujourd'hui sur lesquels Microsoft avance main dans la main avec l'écosystème qui nous regarde entre autres aujourd'hui ou qui est dans la salle. Deux, trois exemples. Le premier, c'est le domaine de l'éducation. Effectivement, si on prend un exemple comme l'éducation, on a des technologies comme Skype aujourd'hui qui sont connues partout dans le monde et qui, grâce à des algorithmes de machine learning, permettent finalement de faire de la traduction en temps réel. Ça s'appelle Skype Translator. Et ça permet par exemple à des écoles reculées de pouvoir communiquer entre elles ou des pays, des écoles dans certains pays, de communiquer avec d'autres écoles dans d'autres pays. Historiquement, avec des barrières de la langue qui ne permettaient pas cet échange et qui aujourd'hui en fait le permettent. Donc ça rend effectivement des projets absolument fabuleux qui émergent. C'est un exemple. Un autre exemple pourrait être dans le domaine de la santé. Aujourd'hui, on va tous chez le médecin une fois qu'on a de la fièvre ou une fois qu'on repère effectivement quelques symptômes. Demain, et c'est connu de tous, nous irons chez le médecin avant effectivement de reconnaître ces symptômes. Un exemple, un projet qui a vu le jour en fait entre Microsoft Research et Columbia University, où en fait on sait maintenant détecter en avance de phase le cancer du pancréas, simplement en fait en croisant les données que font des internautes sur le web, sur Bing en l'occurrence, parce qu'ils reconnaissent et ils ressentent certains symptômes. En croisant ces données, on sait en fait détecter le cancer du pancréas, qui est effectivement une maladie très grave, qui est aujourd'hui détectée uniquement sur 5% de la population. Et le pari que nous faisons avec ces chercheurs, c'est de passer à 13% de détection. Donc ce sont des exemples concrets de choses sur lesquelles nous avançons et qui permettent effectivement de proposer les technologies numériques à un maximum de personnes. D'accord. En fait, ce qui est intéressant, c'est que là, vous nous avez effectivement donné beaucoup d'exemples, des exemples où, pour le coup, on sent qu'en plus, vous êtes en partenariat avec tous ces acteurs, que ce soit des entreprises, que ce soit des acteurs terrain.
Comment la transformation digitale, cette révolution en tout cas, se caractérise spécifiquement directement dans les produits de Microsoft? En fait, elle est partout. Je citais un produit comme Skype. Skype qui est issu d'un rachat et qui est une technologie maintenant utilisée par beaucoup d'entreprises, beaucoup de particuliers, historiquement plutôt des particuliers, dans lesquels on intègre des technologies donc, de big data, de machine learning, donc en fait de l'intelligence concrètement attachée à la donnée, que nous intégrons dans ces produits-là pour, comme je l'expliquais, pouvoir permettre à n'importe quel individu de collaborer, de communiquer avec d'autres communautés. C'est un exemple. L'autre exemple, effectivement, issu de notre moteur de recherche Bing, effectivement, toute l'intelligence, toute la propriété intellectuelle que nous avons investie au travers de nos milliers de développeurs partout dans le monde et aux États-Unis, de pouvoir rendre effectivement ces outils intelligents et nous aider au quotidien pour, dans notre vie de tous les jours, pouvoir avoir accès à telle ou telle information. Mais si on se projette effectivement sur des choses, en tout cas moi, qui me sont plus proches, on est aujourd'hui, quand on parle de plateforme de cloud chez Microsoft, et c'est un tournant qui est majeur depuis effectivement quelques années, on a trois briques de produits qui vraiment permettent les usages que je mentionnais tout à l'heure. On a d'abord des technologies liées effectivement à l'accélération, l'optimisation de la relation avec son client, sa communauté. On parle de Customer Relationship Management, le CRM. C'est un outil qui aujourd'hui, dans un modèle cloud, dans un modèle dématérialisé, va permettre aux organisations d'être plus efficaces. C'est un exemple. Le deuxième exemple, c'est effectivement Office 365, qui est notre suite collaborative, donc un modèle pur SaaS, Software as a Service, qui permet à tout le monde, moyennant effectivement un abonnement, donc un modèle extrêmement souple, et qui permet aux associations gratuitement de pouvoir collaborer soit via l'email, soit via les communications unifiées, le web conferencing, la messagerie instantanée, de pouvoir casser ces silos et communiquer de manière beaucoup plus efficace, être agile et pouvoir libérer en fait le potentiel de chacun. Et puis la troisième partie, qui est personnellement celle sur laquelle je travaille tous les jours, mais qui est effectivement vraiment au cœur de la stratégie de Microsoft, c'est Microsoft Azure, qui est notre plateforme de cloud sur laquelle Microsoft investit énormément, qui se caractérise par deux types d'offres, des offres, j'allais dire, qui répondent à des besoins IT traditionnels, c'est-à-dire fournir des serveurs, du stockage, du réseau, parce qu'aujourd'hui, finalement, si on regarde, l'informatique, d'un point de vue serveur, c'est devenu une commodité. C'est comme quand on rentre chez soi et qu'on veut allumer l'eau, se servir un verre d'eau, allumer l'électricité. C'est une commodité, on ne se demande plus de savoir si ça marche ou pas. Et donc, finalement, l'informatique, aujourd'hui, ça doit être un petit peu la même chose, parce que les organisations doivent se concentrer sur leur mission, qui leur est propre, et pas forcément sur ces choses qui peuvent les ralentir au quotidien. Donc c'est une de nos missions, c'est d'aider pour pouvoir, évangéliser et proposer ce type de service. L'autre chose sur laquelle nous investissons énormément et qui donnera l'objet d'un tout un tas de témoignages aujourd'hui, ce sont plutôt toutes les technologies qui permettent aux organisations d'innover au quotidien. Et effectivement, quand on regarde aujourd'hui que ce soit des serveurs, du réseau, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Il faut aller à un niveau plus loin aujourd'hui. Et je pense que l'opportunité que nous avons, Microsoft et le monde des ONG, c'est de ne pas subir ces technologies liées au big data, liées demain aux chatbots, liées à l'intelligence artificielle, parce que nous avons énormément de choses à proposer, mais au contraire, d'en tirer un certain nombre de bénéfices pour être plus proche de ces communautés, pour être plus proche de potentiels donateurs et de pouvoir rapprocher ces différents mondes. Donc c'est tout le pari que nous on fait et donc qu'on peut partager avec vous aujourd'hui. Alors, on est quand même dans le cadre de la Social Good Week. Social Good Week, on parle à des associations, on parle à des porteurs de projets. En tout cas, on essaye de montrer à voir aussi comment la technologie, comment l'innovation peuvent changer le monde. Vous nous avez présenté un ensemble d'outils. Typiquement, comment une association aujourd'hui peut réellement s'emparer de ces outils, puisque c'est pas obligatoirement le plus simple pour une petite association de se projeter dans le cloud. Mais après, à côté de ça, ça a l'air d'être finalement assez large. Et que je sois une très grande ONG ou une toute petite ONG, j'ai certainement le potentiel de pouvoir bénéficier et de m'intéresser en fait à tous ces outils. Donc je dirais qu'il y a deux réflexions à avoir finalement en parallèle. Il y a une première réflexion qui est des choses qu'on observe quotidiennement, en tout cas chez Microsoft, et qui va permettre effectivement aux associations très rapidement de pouvoir gagner en agilité, optimiser ses coûts. On sait qu'effectivement les associations n'ont pas des fonds illimités et donc se doivent effectivement de structurer cette approche de manière
de manière la plus optimisée possible. Donc si je donne deux exemples, typiquement grâce au cloud, grâce aux technologies du cloud, nous avons une approche qui est d'une informatique à la demande. Fondamentalement, c'est de ça dont on parle. Et donc un modèle associé qui est effectivement de ne payer uniquement que ce qu'on consomme. Et donc aujourd'hui, historiquement, on avait des associations qui pouvaient acheter un serveur ou louer un serveur et effectivement payer systématiquement la même chose, quel que soit le trafic sur le site web, quel que soit le type de contenu qu'on souhaite y proposer. Et donc finalement, on était capé par rapport à un besoin maximum. Aujourd'hui, grâce au cloud, on a effectivement cette flexibilité qui est permise pour que les associations, en fonction de leur projet, en fonction de la demande effectivement des communautés, puissent utiliser tel ou tel service, l'éteindre à la fin de la journée, le redémarrer le lendemain matin. Et ça, en fait, on gagne vraiment en agilité, on optimise ses coûts, on optimise ses budgets. Et donc ça, c'est un exemple très clair, typiquement, sur lequel on peut utiliser les technologies. Si je résume, c'est en clair, le cloud permet finalement de faire des économies, ce qui est une recherche, je pense que tous les porteurs de projets sont aussi dans cette logique-là. Si on est vraiment dans une logique de pouvoir en fait économiser des coûts, à la place d'avoir un gros serveur ou même d'avoir juste un hébergement classique, on peut se dire vraiment avec le cloud, je vais prendre ce dont j'ai besoin. Effectivement, cette flexibilité au terme de coût est un des avantages recherchés, très clairement. Il y en a d'autres. La sécurité pourrait en être un deuxième, mais effectivement, c'est un des avantages. Autre exemple, les sites web. Je pense qu'aujourd'hui, toute association a un site web, communique auprès de sa communauté. Et donc là, typiquement, en quelques clics, on sait, au travers de nos offres Azure, on sait ouvrir un nouveau site web en France ou partout dans le monde. Et donc ça, c'est aussi un des avantages très simples. Sans forcément avoir toute l'infrastructure sous-jacente qui parfois peut être très lourde. D'accord. Alors, on va avoir l'occasion après des temps d'échange et donc certainement d'autres questions arriveront. Mais aujourd'hui, si je suis une association, si je suis un porteur de projet, en tout cas je suis un innovateur social, quels sont les conseils que vous pourriez me donner pour basculer finalement de me projeter dans le cloud et me basculer en fait sur un peu tout ce que vous proposez aujourd'hui et de façon plus globale, comment je peux m'approprier en fait ces nouvelles formes de technologie parce qu'il y a Microsoft, mais finalement il y a aussi plein d'autres acteurs qui proposent des choses à travers la logique SaaS. C'est comment je peux me projeter sur cette transformation. Donc en fait, il y a trois choses et si vous devez retenir trois éléments, c'est les suivants. Nous, Microsoft, on va faire une partie du chemin avec vous, avec les associations. On va faire une partie du chemin parce qu'on va proposer cette plateforme technologique sur laquelle on innove en permanence et on va, avec cette volonté de la rendre disponible pour tous. Et donc, typiquement pour les associations, on annonce en fait aujourd'hui pour les associations un crédit Azure gratuit qui permet à chaque association, sur une période d'un an, de pouvoir avoir jusqu'à 5 000 $ de crédit Azure pour pouvoir se lancer, commencer à utiliser des premiers outils. On parlait de l'exemple du site web ou de faire du dev and test sur des applications. C'est le quotidien et donc à partir de maintenant, les associations vont pouvoir le faire jusqu'à 5 000 $ gratuitement. Donc ça, c'est un exemple. Deuxième chose, qui est, je pense, la plus importante, et c'est pour ça que je pense que c'est très bien que Microsoft soit présent aujourd'hui, c'est que Microsoft seul ne vit pas et on a besoin d'avoir un écosystème extrêmement riche autour de nous. Alors c'est le cas en France, c'est le cas partout dans le monde avec des éditeurs de logiciels, des startups, des associations, des intégrateurs. Et la volonté, c'est de pouvoir se reposer effectivement sur tout un écosystème. Donc autour de moi aujourd'hui, je pense que c'est le meilleur exemple et tous les témoignages qui vont suivre vont le représenter. Mais on a des incubateurs, on a des accélérateurs. Je pense que ton témoignage effectivement sur la ruche est effectivement un exemple. On aura tout à l'heure Data for Good qui est un autre exemple. Quand on a un projet, quand on est une association et qu'on a un projet, on doit être accompagné. Et donc, l'objectif de Microsoft, c'est de s'entourer, de travailler avec cet écosystème de manière extrêmement proche, vraiment dans une logique de construction de partenariat, pour pouvoir accompagner les associations dans cette évolution. Et la dernière chose, pour conclure, parce que là aussi, je pense que les personnes probablement qui nous regardent veulent des choses concrètes. On annonce aussi aujourd'hui, donc décidément plusieurs annonces, une plateforme de MOOC, on parle beaucoup de formation en ligne. Et donc là aussi, c'est une chose de proposer la techno à l'écosystème, mais c'est une autre de sécuriser et d'accompagner la montée en compétences des personnes. Typiquement, on parle beaucoup des data scientists, qui est le nouveau job à la mode. On annonce aujourd'hui, donc sur Azure, une plateforme qui permet à n'importe qui, gratuitement,
de se former aux technologies du cloud, aux technologies Azure, et de pouvoir du coup facilement engager les premiers projets et donc accélérer finalement le développement des associations. Donc ça, c'est trois choses très concrètes sur lesquelles on sait vous accompagner, et donc dès aujourd'hui. Parfait. Bah, merci beaucoup, Edouard. Un éclairage précis sur toutes les différentes pistes, en fait, pour chacun d'entre nous, chaque porteur de projet aussi, de pouvoir se projeter. Passons à présent, en fait, à notre seconde experte, Nesrine Dani, qui est responsable du programme Solidatech. Nesrine, le programme Solidatech a pour mission, en fait, d'accélérer la transition numérique des associations, des bibliothèques ou des fondations reconnues d'utilité publique. Et vous accompagnez, depuis votre création, déjà 20 000 organismes dans leur transformation digitale. Tout à l'heure, je disais, on va parler de transformation digitale, transformation numérique. Je pense qu'on va avoir plein de mots similaires. Est-ce que vous pouvez nous présenter tout d'abord, en fait, ce qu'est le programme Solidatech, si certains porteurs de projets ne nous connaissent pas, et surtout découvrir, en fait, tout l'intérêt pour eux d'intégrer le programme. Tout à fait. Bonjour à tous. Solidatech, c'est un programme qui appartient aux Ateliers du Bocage, une entreprise d'insertion du mouvement Emmaüs. On est le seul dispositif aujourd'hui en France qui propose un parcours d'inclusion numérique dédié aux associations. Et on fait ça à travers trois axes. Le premier objectif pour nous, c'est de permettre aux associations d'accéder à des outils numériques, que ce soit des logiciels, des solutions en ligne ou des équipements, à tarif solidaire ou gratuitement. Donc aujourd'hui, on est partenaire d'un certain nombre d'entreprises technologiques, dont Microsoft, qui est notre partenaire historique, et qui nous permettent de proposer notamment des logiciels à l'équivalent de 6% en moyenne de leur valeur marchande. Ça fait déjà une économie importante pour les associations, ça lève le frein financier, mais les outils, ça ne suffit pas. Donc on accompagne les associations dans le développement de leurs usages numériques à travers des formations, on a une école de formation, à travers un centre de ressources, des ateliers qu'on anime, une newsletter, et puis des services numériques qu'on met à la disposition des associations à travers des partenaires aussi, donc des prestataires qui proposent des tarifs réduits, et notamment par exemple la migration vers des outils collaboratifs tels que Office 365. Et puis enfin, on fait la promotion de tous les projets qui mettent le numérique au service du bien commun. Ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur et on coordonne aussi certains de ces projets-là, notamment Hors Dyslexie, qui est un cartable numérique qui permet à des enfants atteints de troubles dyslexiques de gagner en autonomie à l'école, et Silver Geek, qui sont des ateliers animés par des jeunes en service civique, ludiques, numériques, au sein de maisons de retraite. Donc voilà ce qu'on fait. Aujourd'hui, Solidatech, ce sont 19 000, on n'en est pas encore aux 20 000 associations qui sont inscrites au programme, qui ont pu bénéficier de plus de 265 000 outils. Et ça représente une économie potentielle de 85 millions d'euros. D'accord. Depuis donc, la création en 2008 du programme en France. Super. Vous venez aussi de sortir en fait, un baromètre en partenariat avec Recherche et Solidarité, qui s'intitule « La place du numérique dans le projet associatif ». Ça nous semblait intéressant parce qu'il vient vraiment de sortir, en fait, de le partager au plus grand nombre, en tout cas les chiffres clés ou les tendances clés qui, selon vous, se dessinent au vu des résultats de cette étude. Alors, en fait, ce baromètre est issu d'un travail d'enquête qu'on a mené auprès de plus de 2600 responsables d'associations et plus de 6600 bénévoles courant l'année 2016 avec l'association Recherche et Solidarité. Il y a énormément d'enseignements et je vais essayer d'être le plus concise possible. Si vous voulez des détails, il y a un rapport complet de 54 pages qui est disponible sur notre site. Oui, on va éviter aujourd'hui d'avoir le rapport de 54 pages. Solidatech.fr. Si vous êtes pressé, il y a une synthèse de 3 pages. Mais il faut les lire quand même, les 3 pages. Et il y a aussi un diaporama. Avant de rentrer dans les enseignements, donc je parlerai des enseignements au niveau des usages, de l'impact du numérique au sein des associations et des besoins des associations. C'est important de comprendre un peu le contexte associatif en France. Donc aujourd'hui en France, on a 1 300 000 associations, parmi elles 182 000 associations qui sont employeuses, c'est-à-dire que 86% des associations ne fonctionnent qu'avec des bénévoles en France. Et dans ces 182 000 associations employeuses, il y a uniquement 20 000 associations qui emploient plus de 20 salariés.
Donc, autant dire que c'est assez rare d'avoir un responsable informatique à temps plein au sein d'une association, voire un service informatique. Et pourtant, évoqué tout à l'heure, hein, les besoins des associations sont les besoins professionnels d'une entreprise dans un contexte aujourd'hui où elles doivent faire face à des mutations importantes, notamment la baisse de leurs subventions qui ne représentent plus que 25% de leurs ressources, et puis des changements aussi, des évolutions, des comportements des bénévoles, des adhérents, des donateurs qui sont plus difficiles à fidéliser. Voilà. Si je commence à parler des usages, on a noté qu'il y avait une très très forte progression des usages entre 2013 et 2016. Donc aujourd'hui, l'usage évidemment le plus important, c'est avoir un site internet. C'est 73% des associations qui ont un site internet. C'est à peu près la même chose au niveau des PME. Et puis après, au niveau des réseaux sociaux, 62% des associations utilisent les réseaux sociaux. C'est la plus forte progression qu'on a notée. Ça paraît évident parce qu'elles ont besoin de se faire connaître justement auprès des différents publics qu'elles doivent mobiliser, qu'on est dans une forme de concurrence, même si certains n'aiment pas employer ce mot-là. Et si on parle du cloud, mais... d'un point de vue moins sexy, peut-être, et plus terrain opérationnel, il y a une vraiment évolution importante des usages sur les outils collaboratifs qui ont doublé en 3 ans. Donc aujourd'hui, 42% des associations utilisent les outils collaboratifs, 42% de toutes les associations, pas uniquement des associations employeuses. Ça paraît un peu évident parce que ce qu'offrent aujourd'hui les outils collaboratifs, c'est particulièrement adapté au contexte associatif où on a différentes parties prenantes, un conseil d'administration, des bénévoles, des salariés qui sont éclatés, qui ont des horaires, des rythmes de travail différents et donc qui ont absolument besoin de travailler à distance. Donc les usages dans les outils collaboratifs sont les plus courants, ça va être la messagerie en ligne, tout ce qui est échange, partage de documents, messagerie instantanée aussi, même si c'est un peu plus moins fréquent, et les agendas partagés. Et par exemple, là, récemment, j'ai eu une association qui m'a invité à participer à son assemblée générale virtuelle. D'accord. Donc j'ai jusqu'au 19 décembre pour remplir un formulaire en ligne et pour voter. Donc il y a des usages qui se développent, qui se modernisent. C'est assez intéressant. On a noté aussi qu'il y avait de nouveaux usages, enfin un bel avenir pour de nouveaux usages qui risquent d'émerger donc, à l'avenir, notamment donc, beaucoup liés au cloud sur les formations en ligne, les applications smartphone et la collecte de dons en ligne. Et puis, le logiciel libre est aujourd'hui utilisé par à peu près 41% des associations et 35% de nouvelles associations pourraient l'utiliser demain. Si on en revient au thème qui est le social good, on a demandé aux associations si elles s'étaient emparées du numérique justement pour des projets qui mettraient le numérique au service de leurs bénéficiaires ou de causes sociales. Et aujourd'hui, 35% des associations le font. D'accord. C'est pas beaucoup. Mais ça doit être, ça va être une tendance qui ne peut qu'augmenter maintenant. Donc c'est... On espère, oui. On espère, mais je pense qu'il y a un travail important de sensibilisation et pour faire comprendre aussi aux associations qu'elles peuvent innover, parce que le numérique offre des possibilités infinies, mais qu'elles peuvent innover socialement sans avoir forcément des compétences techniques très fortes et avec aussi très peu de moyens. Si je prends des exemples basiques... une maison de retraite qui donne une tablette à une personne âgée qui va sur Skype et qui voit ses petits-enfants en Asie, et ben voilà. C'est quelque chose de, finalement, c'est juste aussi facilité à travers le numérique.
C'est un peu le discours qu'on tient pendant toute cette Social Good Week, c'est effectivement que le numérique est un vecteur, en fait, finalement, doit être un vecteur de plus d'inclusion, plus de social, plus d'humain, et pas uniquement, en fait, c'est pour ça que j'utilisais le terme, c'est pas être un centre commercial uniquement, mais vraiment d'apporter d'autres choses. Et moi, ce qui m'intéresse avec les résultats de l'étude, c'est quand même, c'est ce que vous indiquez, c'est aujourd'hui presque plus des deux tiers des associations ont un site internet. Je me souviens encore d'il y a quelques années, ces résultats étaient, on en était très très loin. Vous avez fait le parallèle aussi avec les PME. Je pense que le parallèle est excellent parce que c'est aussi cette logique-là, c'est de dire qu'on a une professionnalisation aujourd'hui dans les associations qui est en train de transformer en fait, transformer leur méthodologie, leur approche du numérique. Et c'est aussi très intéressant de voir comment aujourd'hui c'est pas qu'une professionnalisation des associations, c'est aussi le fait que on est de plus en plus de bénévoles qui apportent en fait cette couche de connaissances sur le numérique et qui les accompagne aussi, qui accompagne des associations qui n'ont pas obligatoirement cette fonction pour pouvoir proposer des nouvelles formes d'échange, des nouvelles formes de collaboratif et de créer maintenant des assemblées générales en ligne. Vous l'avez dit, Microsoft, partenaire historique du programme Solidatech. Aujourd'hui, une association, une association X ou Y a une opportunité d'intégrer le programme Solidatech et de bénéficier des outils Microsoft. Qu'est-ce que ça représente en fait en tant que bénéficiaire du programme Solidatech? Et aussi finalement, peut-être en une phrase, comment je peux intégrer le programme aussi Solidatech? Pour accéder au programme Solidatech, il suffit de s'inscrire, remplir un formulaire et envoyer ses statuts associatifs. Et nous, on étudie les statuts pour savoir si l'association est éligible ou non dans le cas à Microsoft, sachant que les critères sont... Enfin, c'est assez large, d'accord, l'accessibilité. Et avec Microsoft, les associations peuvent accéder à des licences logicielles à des tarifs très très bas, mais également à l'offre Office 365 pour les associations gratuitement. Et à tout récemment l'offre Azure pour avoir un crédit annuel de $5,000. D'accord. Voilà. Ce qui est important de préciser, je pense, c'est vraiment que en dehors des outils, la question de l'accompagnement est cruciale. Donc ça, c'est énormément ressorti dans notre enquête aussi. Et puis ça ressort tous les jours quand on échange avec des associations. Qui vont par exemple mettre en place une migration vers Office 365 et qui vont se rendre compte que on n'avait pas prévu la ligne formation accompagnement ou alors on pensait avoir les capacités en interne pour le faire mais on n'y arrive pas. C'est quelque chose qui est essentiel au sein d'une association parce que l'essence même d'une association c'est de ne pas exclure justement et de ne pas mettre à l'écart ni ses salariés ni ses bénévoles et au contraire les associations aujourd'hui elles sont saisies d'une nouvelle mission d'inclusion numérique pour tout leur public, tous les publics qu'elles accompagnent et qui a pour effet positif, on pourrait dire une externalité positive, de permettre à ces personnes-là de se débrouiller aussi dans la vie au quotidien parce qu'on est dans un monde du tout numérique où on n'a pas le choix d'être y exclu. Ça devient fortement problématique rien que pour l'accès aux droits. Tout à fait. Parfait. Merci à tous les trois pour cet éclairage, pour vos présentations. Sophie, on va te retrouver un petit peu plus tard en conclusion. Donc, avant de passer, on va passer à une deuxième partie de la table ronde où en fait, on va avoir trois porteurs de projets qui vont venir présenter. On souhaitait en fait vous partager une vidéo, celle de la Fondation Elisabeth Glaser qui agit en fait pour la lutte contre le sida pédiatrique. Et ce qui est intéressant avec cet exemple, c'est que ça démontre concrètement comment les données, comment le big data peuvent sauver des vies. Je vous propose de regarder ce témoignage. More than 2.6 million children are living with HIV in the world today. The Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation is working to bring the number of children infected with HIV to zero. The Chirango and Takawira families, who are living in the shadow of this global fight against pediatric HIV AIDS, are benefiting from the foundation's work.
It has made the community aware that an HIV positive couple can have an HIV negative baby. I was encouraged by the outcome of my pregnancy when my baby tested HIV negative. That really gave me courage to talk to the people and make all the other pregnant women to understand about the program, that help is there. We've seen a decline in pediatric infections over the last 15 years because of very successful prevention of mother-child transmission of HIV. The Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation exists and breathes to end AIDS in children. We're in 14 countries. We support 6,000 plus public health sites, in particular in sub-Saharan Africa. The systems that the Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation uses are built on the Microsoft BI, which then help us aggregate the data, present it in a very easy to understand dashboard with the right analytics. Data is central to our effectiveness, like a flashlight in the night. Power BI is really important internally for the non-data users per se, where they can customize, they're in control, they're not intimidated by data and use it even more effectively. SQL Server 2016 is important to us because 1,000 plus colleagues around the world are working in some remote and difficult settings. We've seen over the years tremendous progress, but without a careful analysis of the data, we may fail to see what still needs to be done if we are to eliminate pediatric AIDS. Having their data accessible in those environments is an asset that allows us to do our jobs better, smarter, more efficiently. For the Chirango family, for the Takawira family, this means better services for them, for their children, and how they live their lives. She has hope that these two children could grow up, go to school, be educated, get married, and also live in HIV negative free life. And I'm happy that so many mothers who are HIV positive and pregnant, they are getting these services, and it is easily accessible in the community. That's the direct impact of better, smarter data. Rebonjour à tous. Alors, trois nouveaux intervenants, une deuxième table ronde qui va être tournée plutôt au niveau des porteurs de projets. Trois porteurs de projets différents et qui vont nous apporter chacun d'entre eux une vision. J'ai eu le plaisir de vous interviewer, en tout cas d'échanger avec vous en amont. Et je tenais déjà juste à le dire, je suis impressionné par ces trois porteurs de projets. Donc nous accueillons Marion Moreau, directrice de la Fondation Sigfox, Aymeric Vallespie, président de Wikimedia France, et Jean-Philippe Courtois, président et cofondateur de Live for Good. Pour débuter nos échanges, je vais commencer avec vous, Marion. Sigfox est une start-up majeure aujourd'hui, on entend parler de vous presque un peu partout, majeure dans l'IoT. Et en fait, chose très rare pour une start-up, puisque vous avez que 5 ans d'existence, si je ne me trompe pas, vous avez créé une fondation, un fonds de dotation. Quand je dis très rare, c'est qu'on a la chance chez Aloasso de côtoyer des fondations d'entreprises ou des entreprises. Et c'est vrai qu'en fait, c'est assez rare. Vous êtes la première start-up que j'ai vue créer sa propre fondation aussi rapidement. Et donc la première question, c'est est-ce que vous pouvez déjà nous présenter la fondation et surtout nous expliquer pourquoi et dans quel sens cette fondation a été créée? Alors, merci déjà d'être là, de m'inviter plutôt, d'être à vos côtés. Ça me fait très plaisir d'être là aujourd'hui. Peut-être il faut recommencer à expliquer d'abord ce qu'est une technologie comme Sigfox, puisque oui, tout le monde ne connaît pas forcément. Donc, Sigfox, c'est un réseau mondial dédié à l'Internet des objets qui allie la force de la radio et du numérique. Donc, ça a été lancé par Christophe Fourtet. Ça ne vous dit rien du tout, mais c'est une sommité en radio. C'est un expert mondial, on l'appelle le Mozart de la radio. Et Christophe a remis au goût du jour une technologie qui était utilisée il y a très longtemps pour communiquer entre sous-marins. Et il a repris cette technologie et il a eu cette bonne idée, finalement, de l'amener dans le digital. Ce qui permet aujourd'hui d'avoir une technologie qui est inédite, qui n'existe qu'en France, chez nous. Je fais un petit cocorico aujourd'hui, mais ça n'existe qu'en France. Et qui permet d'envoyer de tout petits messages, 12 octets, pas plus, sur de très, 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 très longues distances.
Donc l'infrastructure, elle est simple. Hein. Ce sont des petites antennes qui sont, voilà, qui sont grandes comme des bouteilles à peu près d'eau. Non nocifs pour la santé, c'est quand même important de le rappeler. Et qui sont reliées finalement à une partie computing, ce qu'on appelle une base station. Et ces petites antennes, elles nécessitent très peu de densité en fait, en installation. Donc avec, un pays comme la France, par exemple, on a besoin seulement de 1500 antennes pour couvrir tout le territoire. Le réseau, voilà, tout le territoire, avec le réseau Sigfox. Le coût d'installation, il n'est pas secret, il est de 10 millions d'euros. Quand on prend une technologie GSM, on multiplie facilement avec deux chiffres, par deux chiffres, ce coût-là. Donc ça veut dire un réseau qui est opérationnel, qui est light d'installation, qui permet d'envoyer des messages et d'en capter plein. Ben finalement, ça fait vivre des millions de capteurs. Quand je dis des millions, c'est qu'une seule base station recueille à elle toute seule des millions de messages. Quand on en a plus, on peut imaginer capter des milliards de messages très facilement et très rapidement. Ces capteurs-là, aujourd'hui, ils sont en train de fleurir un peu partout dans le monde. Donc aujourd'hui, nous, on a couvert 27 pays au total en 5 ans seulement. En cours de connexion. On n'est pas au total sur 27 pays, mais c'est allé très très vite. Et puis des capteurs qui se connectent et qui nous envoient de la donnée. Les fondateurs ont souhaité, puisque comme je vous l'explique, vous avez très vite compris qu'on peut aller très très vite, notamment sur le big data, ils ont souhaité très rapidement monter une initiative qui est personnelle, hein, puisque ce sont eux qui ont mis de leur poche dans ce fonds de dotation, et qui se sont dit en fait, l'IoT, l'Internet des objets, est très probablement à un moment donné, une solution pour faire tomber des barrières sur des causes humanitaires. Pourquoi pas utiliser des capteurs connectés à Internet pour prévenir d'incendies majeurs dans des forêts? Pourquoi pas utiliser des capteurs connectés à Internet pour mieux monitorer les espèces en voie d'extinction? Il y en a beaucoup aujourd'hui et on est en train d'ailleurs d'agir sur des rhinocéros en ce moment. Pourquoi pas utiliser des capteurs connectés à Internet pour déclencher des alertes, notamment pour adresser à la sécurité des enfants, avec un simple petit bouton. C'est ça l'Internet des objets, c'est un seul bouton qui fait beaucoup de choses parce qu'il prévient, il alerte en temps voulu et en temps réel. Et la fondation Sigfox, c'est ça, c'est d'agir sur l'environnement, sur la santé, sur la sécurité au sens large, sur bien sûr le lien entre les humains. Et on a développé une première mission en Antarctique en mois de janvier avec le ministère de l'Environnement belge. On a installé deux antennes seulement. Sur le toit de Princesse Elisabeth, qui est une station scientifique de recherche sur le climat, là où une équipe de chercheurs, de 50 chercheurs, creuse la glace et n'ont pas de moyens de communication. C'est-à-dire qu'ils partent parfois pendant des semaines sans aucun moyen de dire « je vais bien ». Et donc c'est ce qu'on a fait avec deux antennes. On a évidemment connecté des capteurs de GPS hein, qu'on a installés dans la veste des chercheurs et des scientifiques. Et chaque jour, on avait une position exacte pour savoir où ils étaient. Il y a un deuxième volet, évidemment, scientifique, puisque quand on dit capteur, c'est évidemment de là, une sorte de nouvelle télérelève, où là où, évidemment, la data pourrait être très intéressante pour optimiser les recherches scientifiques en Antarctique. C'est ce qu'on est en train de faire avec d'autres stations. Et puis, on a, pour être très concrète, une deuxième mission en cours au Zimbabwe. On a convaincu une réserve de 5000 km² qui protège 500 rhinocéros et d'autres espèces, de pouvoir travailler avec nous. Quand je dis nous, c'est nous et des start-up qui nous accompagnent puisqu'on ne fait pas les objets nous-mêmes. Et c'est ça qui est intéressant. Et donc, on a aujourd'hui prototypé un capteur qui est unique au monde et qui a été installé dans la corne du rhinocéros, qui est à peu près grand comme ça. Il est tout petit, il fait la taille d'à peu près de la moitié d'un pouce, avec une petite antenne. Il nous donne une donnée GPS de l'animal, ce qui est extrêmement important aujourd'hui, parce que le monitoring animal est très compliqué. Il nécessite beaucoup de ressources, que ce soit des ressources logistiques. On part en jeep pour aller capter, finalement, trouver l'animal qu'on cherche. Et puis, le deuxième volet sur ce capteur, au-delà du capteur GPS, c'est de lui attribuer un système d'alerte. C'est-à-dire qu'on va être capable aujourd'hui, dans les semaines qui viennent, d'annoncer que le capteur possède finalement un détecteur de mouvement. Donc on pourrait, au travers du mouvement, traduire son stress. Quand je dis « on », c'est un algorithme, bien sûr. S'il est stressé, il a certains mouvements typiques et donc ça produit une alerte SMS tout de suite sur un portable ou un ordinateur ou une tablette. Ça, couplé à ça, ça veut dire déjà beaucoup. Ça veut dire que sur le terrain, on a des résultats qui sont probants. Nous, ce qui nous intéresse, c'est faire de l'impact. Un peu la question que j'allais vous poser finalement, c'est quels sont aujourd'hui, quels sont les
les volontés de la fondation Sigfox. C'est quoi votre objectif? Puisque ce qui est intéressant, c'est qu'on a la chance aujourd'hui d'écouter une fondation qui a à peine un an. Et en fait, c'est aussi de découvrir quelles sont les volontés de la fondation Sigfox. Là, vous disiez impact, et je pense que c'est important aussi d'avoir cette vue-là, de se rendre compte, puisqu'il y a les volontés de Sigfox, c'est aussi de grandir. Ouais. Et donc, j'imagine que la fondation doit avoir aussi une volonté de changer le monde d'une certaine façon. Oui, soit n'ayons pas peur des mots et de notre ambition. Oui, bien sûr, on a envie de changer le monde parce qu'on a dans les mains une techno qui est probante, qui produit des résultats extrêmement intéressants. Même le fondateur est surpris des résultats, c'est pour vous dire. Je ne raconte pas de bêtises, c'est vrai. Lui-même me dit, waouh, là, on a des performances, je ne pensais pas qu'on pouvait aller si loin. Donc, globalement, on a une technologie. On a aujourd'hui des objets qu'on fabrique, qui sont des capteurs. Quand je dis « on », c'est évidemment l'écosystème de start-up, encore une fois, qui nous entoure. Des capteurs qui sont de plus en plus petits, de plus en plus autonomes, parce qu'on produit aujourd'hui des capteurs qui sont capables de se connecter sur des années entières sans changer de batterie, à des coûts dérisoires, une dizaine d'euros pour certains. Globalement, on voit tout de suite que la donnée générée déjà par ces capteurs va être immense, donc elle va aussi être un nouveau savoir. On va pouvoir avoir un nouveau knowledge sur le tracking animal, c'est sûr. Sur d'autres volets scientifiques. Et puis globalement, si on peut produire une alerte avec des capteurs qui sont aujourd'hui produisibles en masse, en gros volume, allons-y. Et c'est ça notre ambition, c'est de bootstrapper des projets, de dire regardez ce qu'on peut faire, c'est juste extraordinaire. On a aujourd'hui le capteur dont je vous parlais sur les rhinocéros au Zimbabwe, coûte 30 euros, versus 1000 euros sur un capteur connecté en GSM, et il va durer 4 ans. 4 ans sans qu'on y touche. Donc, le paradigme, il est réel, il est concret. On peut faire des choses en gros volume. Et la deuxième ambition, je rajouterais sur la fondation Sigfox, qui est très importante, puisque l'idée n'est pas de faire de la promotion de Sigfox, c'est aussi l'empowerment. Les entreprises ont besoin de remettre le collaborateur au centre de l'entreprise. Les startups ne sont pas exemptes de ça. Quand on est en forte croissance, comme chez Sigfox, je peux vous dire qu'on a aussi besoin d'une quête de sens, de se poser, de dire « mon job, il sait quoi ?» Ça va très vite et finalement, au travers de la fondation, moi, je choisis des collaborateurs au hasard, je les emmène sur le terrain, je leur montre que leur job a du sens et ils vont aujourd'hui au Zimbabwe pour aller raconter après à leurs enfants dans leur école ce qu'ils ont fait. Et je trouve que c'est très chouette et je pense que c'est pas notre l'apanage de Sigfox, c'est quelque chose qui devrait être aujourd'hui élargi à toutes les entreprises qui aujourd'hui, à mon avis, et j'en suis persuadée, vont faire de l'impact non plus quelque chose d'un peu en silo, gentil, qu'on fait comme ça de son côté, mais quelque chose qui est au cœur de la vie de l'entreprise et voire même au cœur de la stratégie de l'entreprise. Voilà. Parfait. Merci Marion. Ce que je retiendrai grâce à votre témoignage, et c'est qu'en fait ce qui est intéressant, et c'est aussi l'un des discours qu'on essaye de tenir durant la Social Good Week, c'est que la technologie en soi n'est pas une fin. C'est comment on utilise cette technologie au service du bien commun. Et c'est aussi pour ça que ça va être intéressant les autres témoignages, parce que je pense qu'on partage tous cette idée-là, c'est-à-dire que la technologie reste un outil, et la suite, c'est à nous de l'utiliser ou de la déformer pour qu'elle puisse répondre à un objectif avec un réel impact. Merci beaucoup Marion. Merci. Je me tourne vers vous maintenant, Aymeric, président de Wikimedia France. Alors, à titre personnel, je suis intimement convaincu que tous les Français, tous les étudiants et leurs professeurs connaissent Wikimedia. Pas obligatoirement, mais connaissent Wikimedia, non pas à travers Wikimedia, mais à travers du plus gros projet de Wikimedia, c'est Wikipédia. Est-ce que déjà, finalement, vous pouvez nous parler de Wikimedia, l'organisation, le fonctionnement et votre rôle spécifique au sein de cette organisation ? Merci en tout cas également de l'invitation et je suis ravi que Wikimedia France puisse intervenir une deuxième fois dans le cadre de la Social Good Week. Pour ce mot, en fait, Wikimedia, pour un seul mot, je vais avoir plusieurs réponses, parce que finalement, c'est assez multiple. Le mouvement Wikimedia, c'est un mouvement dans lequel en fait, gravitent différentes parties prenantes et dans lequel s'inscrit en fait, 12 projets au total, dont effectivement Wikipédia est le plus connu, le plus publicisé, notamment auprès du grand public. Mais il y a 11 autres projets qui coexistent à côté de ça. On va en détailler d'autres après au fur et à mesure, mais...
Donc Wikimedia, c'est avant tout des projets. Ensuite, c'est, je le disais, des parties prenantes. Ce sont des personnes qui vont contribuer aux différents sites, donc le plus connu Wikipédia. Donc, des personnes qui vont aller enrichir les articles, qui vont contribuer, qui vont catégoriser les articles, qui vont prendre des photos pour illustrer les différents sujets, qui vont mettre en forme, qui vont corriger simplement des fautes d'orthographe ou qui vont construire un article de A à Z, parce que sur un sujet qui n'existait pas ou sur une personnalité, peu importe. Donc ce sont des personnes, mais ce sont aussi des organisations. Aux États-Unis, c'est une fondation, la Wikimedia Foundation, qui essentiellement gère l'infrastructure technique. C'est elle qui héberge, c'est elle qui développe le logiciel également MediaWiki, le moteur qui supporte tous les projets Wikimedia. En France, c'est une association loi 1901, celle que je représente aujourd'hui en tant que président de Wikimedia France. Mais on a également des chapters un peu partout dans différents pays. Ou des associations qui ne sont pas encore reconnues comme telles dans leurs différents pays et juridictions associées, mais qui sont en train de se constituer, simplement des individus qui se retrouvent pour collaborer de manière collective en fait, sur différents sujets. Et donc finalement, Wikimedia, c'est tout ça, c'est une galaxie de projets avec une galaxie de parties prenantes qui s'impliquent de diverses manières pour les buts des projets Wikimedia. La maxime de Wikipédia, c'est de rendre accessible la totalité du savoir humain au plus grand nombre. Et donc, en fait, on a des milliers de personnes, et même des millions, en fait, qui se sont attelés ou qui s'attellent encore à inventorier et à créer le savoir humain pour qu'il soit accessible à tout le monde. Pour ne parler que de la version française, enfin francophone, par exemple, sur le mois de novembre, c'est à peu près 16 000 contributeurs actifs, donc 16 000 personnes qui ont contribué, contributeurs ou contributrices, qui ont fait au moins une modification dans le mois, donc qui ont un compte utilisateur enregistré, qui ont fait une modification sur le mois de novembre. Donc dans ce nombre-là, on n'inclut pas toutes les personnes d'avant, et on n'inclut pas les personnes qui ont contribué de manière anonyme, qui n'ont pas créé de compte, et que vous pouvez voir dans un article sur l'historique au moyen de leur adresse IP. Ce sont des personnes qui ne sont pas enregistrées. C'est intéressant parce que c'est vrai que quand on a préparé cette table ronde et on savait que vous interveniez, Wikipédia, dans le monde, c'est le cinquième site le plus visité. En France, c'est la même stat. Ça veut dire qu'aujourd'hui, et j'aime quand vous dites aussi, vous êtes une association ou une fondation, finalement, vous êtes un acteur à but non lucratif et vous êtes l'un des sites référents. Quand je disais les étudiants, etc., je pense qu'on est tous à peu près sûr d'aller au moins une fois par semaine sur Wikipédia, d'une façon ou d'une autre. Et en fait, ce qui est important, et l'histoire de Wikipédia depuis sa création a été tournée aussi avec des hauts et des bas, où il y a eu, quand je dis débat, c'est vraiment même des débats internes en disant « mais c'est une source collaborative, donc une non-source ». Aujourd'hui, finalement, vous êtes un énorme agrégateur de données collaboratives. On parle de cloud, de big data. Pour vous, la donnée sur Wikipédia, dans un premier temps, c'est quelque chose de clé. Et j'imagine que le collaboratif a un autre impact en plus en termes de gestion de cette donnée. Alors j'aime bien le terme d'agrégateur que vous avez utilisé parce que c'est effectivement ce qu'est Wikipédia ou ce que sont les différents projets Wikimedia. En tout cas, Wikipédia en lui-même n'est pas une source en soi. C'est-à-dire que tout le contenu qui repose sur les différents articles doit être sourcé, doit avoir un lien vers un article de presse, vers une revue scientifique, vers un article... il faut qu'il y ait une source secondaire qui soit associée à ce que vous allez trouver sur l'article. C'est-à-dire que si une info n'est pas sourcée, si c'est pas attaché à une source, à un livre, à une publication, c'est une information qu'il faut prendre avec des pincettes parce qu'on n'a pas, la possibilité de vérifier que cette information est vraie. Donc il y a tout un travail, effectivement, on parlait de l'enseignement très rapidement en disant que tous les étudiants connaissaient et les enseignants également. Il y a tout un travail pédagogique en fait sur l'utilisation de Wikipédia qui n'est pas de dire « attention, tout ce qui est sur Wikipédia peut être faux ». En fait, cette affirmation est vraie. Tout ce qui est sur Wikipédia peut être faux s'il n'y a pas de source, c'est-à-dire que vous n'avez pas de moyen de vérifier. Donc plutôt que de diaboliser Wikipédia, en fait, ce qui se joue actuellement dans le monde de l'enseignement et depuis quelques années, et d'ailleurs à ce titre-là, Wikimedia France a reçu l'agrément de l'éducation nationale comme étant un organisme de pédagogie complémentaire à son institution, c'est de dire... Il faut apprendre à utiliser Wikipédia, c'est-à-dire ne pas reprendre in extenso tout ce que vous voyez sur un article, ce que moi je pouvais faire à l'époque avec Encarta. Aujourd'hui, en fait, c'est la même chose avec Wikipédia, c'est juste un déplacement de problème qui s'est opéré. Donc cette question-là de la donnée, oui, elle est fondamentale pour le cinquième site le plus visité au monde, c'est-à-dire que si une information n'est pas vraie, bon, ben, l'impact est énorme en termes de diffusion d'une information erronée. Donc à ça, en fait, le mouvement Wikimedia, il a plusieurs réponses. Elles sont techniques ou elles sont organisationnelles. C'est-à-dire que technique, l'architecture Wiki permet d'avoir un historique. Donc vous voyez sur un article, par exemple, toutes les modifications qui ont pu être réalisées.
Et vous pouvez, avec ce système de versionning, revenir à la version précédente pour annuler une modification qui ne serait pas opportune, voire même parfois illégale, quand on parle de diffamation, quand on parle d'insulte, ou de contenus qui ont été importés alors qu'ils sont soumis à un droit d'auteur. Au-delà de l'historique, il y a également des pages qui permettent de suivre en temps réel en fait, les modifications qui sont faites. Il y a des personnes qui se sont spécialisées dans la vérification de ces pages-là pour voir qu'est-ce qui est fait en temps réel et d'aller contrôler les différentes modifications et regarder si elles sont judicieuses ou pas. Si ça paraît être un vandalisme parce que d'un coup il y a une insulte en lettres capitales qui est insérée, bon mais en fait elle est retirée de suite. Bien souvent c'est même fait ça par des robots. En fait il y a des expressions régulières en langage informatique qui permettent de détecter les modifications qui sont vraiment grossières et qui de manière apparente sont néfastes pour l'encyclopédie. Mais il y a aussi des personnes qui vont vérifier manuellement, avec leurs propres yeux, qu'une modification est censée. Pourquoi d'un coup cette rivière de Pologne vient de gagner 10 km de longueur? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est un vandalisme? Bon, là, parfois, la frontière est compliquée et c'est là où la source, l'information pour vérifier, est nécessaire et importante. Et donc après, c'est de ça dont je voulais parler. Au niveau organisationnel, il y a des processus qui ont été mis en place pour définir l'éligibilité. Est-ce que ce contenu a le droit de se trouver sur Wikipédia? Est-ce que ce contenu, est-ce que cette source est jugée fiable? Est-ce que la source qui est mise pour avérer quelque chose, enfin pour affirmer quelque chose, qui est un blog personnel, est-ce que ça c'est une source valable? Oui, non. Bon, bien souvent la réponse à cette question-là, c'est non. Mais il a bien fallu que la communauté des contributeurs, des personnes qui contribuent, définissent des règles de fonctionnement pour finalement gagner en sérieux, en fait, en vérifiabilité et en exactitude les données qui sont sur Wikipédia. Alors, pour terminer sur un autre projet, parce que c'est vrai que vous l'avez dit, c'est souvent là où la frontière est un peu compliquée entre Wikimedia et Wikipédia. Wikimedia, c'est 12 projets et il y en a un. Qui tombe très très bien. Alors, il va falloir qu'on gagne du temps, donc on va le faire court, mais c'est Wikidata. Alors, Wikidata, c'est effectivement un des 12 projets qui coexistent en même temps que Wikipédia. C'est le dernier né, en fait, du mouvement Wikimedia. Alors que je dis dernier, il vient de fêter son 4e anniversaire. Ouais. Donc, ça date de 2012. Mais depuis, il n'y a pas eu de nouveau projet. C'est le dernier. Donc, en fait, Wikidata, c'est un projet de base de données libre, un petit peu sur le même schéma que les autres. Hein. Concrètement, ce qui le caractérise, c'est que d'une part, les données qui sont dessus sont libres. C'est-à-dire que toutes les données qui sont insérées dans Wikidata sont sous licence Creative Commons 0. Dans certaines juridictions, ça s'apparente à mettre ces données-là dans le domaine public. En France, ce n'est pas tout à fait possible parce qu'un auteur ne peut pas se déposséder de ses droits moraux, même s'il en a envie. Donc au-delà des droits d'auteur, les droits donc moraux et patrimoniaux, on peut se déposséder de ses droits patrimoniaux, mais pas de ses droits moraux en France. Donc la licence Creative Commons 0, ça ne fait pas tout à fait de la même manière, mais bon, il y a quelques adaptations. C'est finalement la licence la plus libre qu'on puisse faire, puisqu'elle n'oblige pas les personnes à réutiliser les données, à citer que vous êtes l'auteur ou à devoir les repartager sous la même licence, c'est-à-dire que quelqu'un peut se servir finalement de la donnée pour en faire une utilisation commerciale, pour la modifier, pour l'améliorer ou pour en faire toute autre chose, sans avoir besoin de me citer moi si c'est moi qui ai mis la donnée initialement sur Wikidata. Après, la deuxième chose, c'est que c'est collaboratif. De la même façon que sur Wikipédia, ce sont des personnes qui alimentent les données sur Wikidata et qui rajoutent des informations sur les différentes clés qui vont être entrées sur le site. Ensuite, c'est aussi un projet qui est multilingue. Wikipédia, par exemple, ou la plupart des projets Wikimedia, ils peuvent exister en 288 langues. C'est la même chose pour Wikidata. Quand vous avez une entrée qui est insérée dedans, elle peut potentiellement être traduite en 288 langues. L'interface en elle-même aussi peut exister en 288 langues. Ça veut dire qu'il y a 288 langues ou dialectes qui peuvent être utilisées pour contribuer à Wikidata. Donc c'est finalement assez ouvert et ça permet à beaucoup de personnes de contribuer et à enrichir ce contenu-là. Sachant qu'une fois qu'un contenu est inséré, c'est beaucoup plus facile de pouvoir le traduire dans les langues qui sont périphériques. Et la dernière chose, c'est que le principe de Wikidata, c'est d'avoir des données qui sont structurées et qui sont insérées de manière standardisée en fait, dans le projet. Ce qui permet aux personnes de pouvoir classer, enfin de pouvoir retrouver l'information très facilement, parce qu'il y a une arborescence, parce qu'il y a une hiérarchie, mais aussi aux machines. C'est-à-dire que les ordinateurs ont la possibilité de lire très facilement, de requêter le contenu, et de retrouver tout ce que vous avez besoin de chercher directement dans le contenu. C'est ce qu'on appelle le web sémantique, donc qui permet derrière de faire des choses très poussées en termes de statistiques, de réutilisation de la donnée, plus simplement que sur Wikipédia, où là, il y a des soucis de mise en forme et de standards. Par exemple, Wikidata, utilisation concrète et pratique sur les autres projets Wikimedia, ça permet de fixer la date de naissance de quelqu'un, ou de, par exemple, un sujet qui est actuel aujourd'hui, le Premier ministre vient de changer. Si on affecte
le nom et le prénom à la variable Premier ministre. Dans tous les sites dans lesquels la variable Premier ministre est appelée, hein, la clé Premier ministre, eh bien, c'est le nouveau nom qui, va être mis, qui aura été mis à jour dans Wikidata qui va se diffuser sur les différents projets. Donc finalement, en termes de vérifiabilité de la donnée, il n'y a plus qu'à un endroit où il faut modifier l'information pour qu'elle se propage potentiellement sur les milliers d'articles dans lesquels elle se situe, et potentiellement en 288 langues, s'il y a un article en anglais ou en peul, enfin dans une autre langue, par rapport au Premier ministre français. En clair, dans le cadre de Wikidata, la Big Data permet finalement de simplifier et de rendre beaucoup plus accessible et rapidement l'information. Donc ça, en fait, finalement, Wikidata, c'est une vraie opportunité pour accélérer l'action de Wikimedia, le projet Wikimedia et ses différentes entités. Oui, alors les projets Wikimedia, parce qu'effectivement, ça permet de modifier plus simplement une quantité d'informations astronomiques, mais pas que les projets Wikimedia, parce que je le disais, c'est sous licence Creative Commons 0, ce qui permet en fait à toutes les autres organisations, qu'elles soient privées, publiques, du tiers secteur, une association, de réutiliser les informations et de s'en servir. Il y a notamment des ponts qui existent entre OpenStreetMap, donc le projet de cartographie libre. Il y a par exemple un projet de datagouv.fr qui a été de recenser les tombes du Père Lachaise. Et donc sur ce projet-là de datagouv.fr, il y avait des données de OpenStreetMap qui étaient reprises, de Wikidata et de Wikipédia pour faire l'inventaire en fait des tombes des personnalités du Père Lachaise. Donc, et tout ça, c'est permis grâce aux licences de ces différents projets et par l'utilisation du web sémantique qui permet une extraction et une réutilisation très facile. Et donc ça, c'est ce que permet Wikidata. Parfait, merci beaucoup Aymeric. Je passe directement à vous, Jean-Philippe Courtois. Alors, je ne vous ai pas présenté complètement. En fait, vous êtes vice-président exécutif, c'est bien ça, de Microsoft France. Mais en fait, on vous a... Microsoft Corporation. De Microsoft Corporation, pardon. Mais par contre, on ne vous accueille pas dans ce cadre-là, c'est que vous êtes aussi président et cofondateur de Live for Good. Vous êtes un porteur de projet un peu particulier, puisqu'en fait, Live for Good, c'est une association qui accompagne des porteurs de projets, des entrepreneurs, des jeunes. Alors, ce que je vous propose, c'est de nous présenter Live for Good, tout simplement. Alors, Live for Good a été créé il y a un an et a pour mission de révéler le potentiel de jeunes au parcours non traditionnel par l'entrepreneuriat social et le numérique. En fin de compte, c'est finalement la liaison entre l'économique, le social et le numérique combinés ensemble. En fait, ça part d'un point de vue très simple qui est de dire qu'il y a un drame humain et social aujourd'hui dans ce pays et dans beaucoup d'autres pays. C'est qu'on a plus de 25% de jeunes de moins de 26 ans qui ne trouvent pas un job, qui ne trouvent pas d'opportunités tout simplement pour travailler. Et ce chiffre est beaucoup plus conséquent si vous allez dans les quartiers dits difficiles ou défavorisés ou banlieues, ça monte à 45-50%. Si vous allez dans les domaines du handicap ou dans des camps de réfugiés, c'est des taux astronomiques. Et donc ça c'est le drame, mais de l'autre côté il y a trois forces positives, on en a déjà beaucoup parlé autour de ce plateau finalement. La transformation numérique, je ne vais pas en parler, bon, mais on vit dedans, je la vis dans mon job au quotidien chez Microsoft. C'est des leviers exceptionnels entre de l'IoT, du Big Data, du cloud, de l'intelligence artificielle, de la mobilité, pour résoudre, transformer des segments de l'économie. Mais aujourd'hui, c'est encore très peu utilisé dans le domaine du social. Même s'il y avait de beaux chiffres dans le baromètre, je pense qu'il y a beaucoup plus de pouvoir, de potentiel de transformation. La deuxième force positive, c'est, on en a un petit peu parlé tout à l'heure dans Sigfox, le sens. Tous les jeunes, générations X, Y et Z, vous pouvez rajouter les trois lettres, ils ne veulent pas travailler juste pour avoir un job et réussir et devenir executive vice president. Ils veulent travailler pour avoir un sens et un impact dans leur vie, à titre personnel, affectif, émotionnel et quelque part social, dans la communauté dans laquelle ils vivent, ils collaborent. Et ça, c'est une force très forte en France et dans le reste du monde aussi. Et la troisième, c'est une réalité économique. Dans ce pays comme dans bien d'autres dans le monde, je le constate aussi comme je voyage dans beaucoup de pays du monde, c'est cette économie sociale, ce qu'on appelle les social enterprise, social business, des termes différents. En France, on a un label même qui s'appelle label ESUS, qui est écrit par la loi Hamon, qui le définit. Il y a des statistiques qui disent qu'il y a 10% de jobs en France, alors ça inclut tout, hein, les associations, les coopératives, les mutuelles, mais enfin, des jobs créés dans ce pays. Et la réalité, c'est qu'il y a beaucoup plus de jobs qui vont être créés. Donc, Live for Good a créé en fait deux services de programme. Le premier, c'est un prix qui s'appelle le prix Gabriel Live for Good, qu'on a lancé pour sa toute première édition l'an dernier en avril. On a eu le plaisir d'avoir 100 candidats, des jeunes, avec ce profil dont je parlais tout à l'heure. On en a récompensé 5. 5 qui ont droit en fait à 4 récompenses. Le premier, c'est une bourse de 10 000 euros.
pour les aider à se focaliser à 100% sur leur projet. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas, comme font beaucoup de jeunes, ils galèrent, ils étudient, ou ils ont un travail, et la nuit, le week-end, ils essaient d'avancer sur leur projet. Là, on les dédie à 100%. Deuxièmement, ils sont incubés au sein d'un incubateur social, la Social Factory, tout à l'heure on en a parlé, qui est un partenaire qui va les aider dans tout le montage et tout l'accompagnement de leur projet. Troisièmement, on est des mentors des entrepreneurs chevronnés. C'est un partenariat qu'on a avec le MoveJ, qui vont avoir, un suivi personnel. Et quatrièmement, c'est le numérique, parce que précisément, on y croit, et j'y crois beaucoup, sur le potentiel que peut projeter un jeune entrepreneur social pour créer son application et avoir un impact social. Et le deuxième service qu'on a créé, c'est la communauté des entrepreneurs. On appelait ça Entrepreneurs for Good. Évidemment, c'est aussi pour le bien. Et donc, tous nos candidats, ils ont tous gagné quelque chose. Ils ont tous gagné. Ils font partie d'une communauté à laquelle on offre chaque mois deux formations, on offre du coaching sur tous les domaines de compétences souhaités pour devenir un entrepreneur. Donc c'est aussi bien en démarrant par son business canvas, là c'est le social business canvas pour créer son business plan, même si ce terme est tout à fait inconnu beaucoup de ces jeunes au départ. C'est du numérique, c'est du financier, c'est du juridique, c'est du coaching, développement personnel, du management. C'est toutes ces briques qui font qu'ils vont pouvoir créer leur projet et démarrer avec passion une association, demain une activité commerciale, mais comme vous le savez, dans le cas d'une entreprise sociale, le but c'est que les profits sont reversés au sein de l'association pour avoir un impact social maximisé. Ils ne sont pas reversés aux actionnaires. C'est la grosse différence. Parfait. Ce qui était aussi intéressant à travers Live for Good, c'est en fait toute l'approche, comment vous avez intégré le numérique au cœur de votre accompagnement. Alors, je ne sais pas si c'est parce que vous avez une double casquette, et votre expérience, et certainement votre expérience personnelle a joué dans ces choix-là. Mais j'avais envie de vous poser une question finalement un tout petit peu plus généraliste, et vous m'avez tendu une perche, c'est pourquoi le numérique, pour vous, est une opportunité pour tous ces acteurs-là ? Qu'est-ce qui change et qu'est-ce que ça doit leur permettre ? Je vais donner les entrées concrètes de nous. D'histoires concrètes. On a 5 jeunes assez remarquables qui sont en train de développer leur projet. Il y en a un, il s'appelle Kayoum. Il a ce beau projet, il s'appelle Wire, qui permet finalement de mieux raconter son histoire en tant que personne cherchant un job, donc de bien faire valoir ses compétences plutôt que de juste envoyer son CV traditionnel qui est très souvent ignoré d'ailleurs par les recruteurs ou pas beaucoup différencié des autres. Il va aider également des entreprises dans la recherche de ces candidats, de ces pépites qu'ils recherchent, au travers à la fois d'attributs, de personnalité, de compétences. Et il va utiliser des technologies, évidemment, pour le faire. Et donc des technologies de machine learning, des technologies de big data pour avoir le bon fit entre les profits et le job que l'on recherche. Pour économiser un temps précieux sur ses recherches et trouver les bonnes personnes. Un autre exemple, ça va être un jeune qui s'appelle Yacine, qui a tout un très beau projet d'aider, de mettre en relation les citoyens avec les SDF, ces personnes que vous voyez dans la rue et peu de gens s'arrêtent finalement, et qui, avec une application de mobilité, hébergée dans le cloud aussi, mais surtout avec le profiling qui va être fait de ces SDF, parce que c'est très complexe, c'est un univers où vous avez des dimensions, des histoires personnelles dramatiques, va pouvoir essayer de les aligner avec des personnes bienveillantes, des organisations, qui vont les aider à reprendre confiance en elles et à faire ce premier pas. D'ailleurs, il lance une très belle opération de Noël. Vous allez voir, ça s'appelle Human Relais. Oui, il y a un SDF qui dit, moi, mon rêve, c'est d'aller revoir la mère. Je n'ai pas vu depuis 30 ans. Et il y a quelqu'un qui va l'aider pour aller revoir la mère en ce Noël. Voilà des projets très concrets. Il y en a plein d'autres. Il y a des projets incroyables en permaculture. Il y a des projets en inclusion, un projet de silver economy, on parlait tout à l'heure, de personnes âgées isolées, pour créer des activités économiques, payantes ou gratuites selon qu'on est bénéficiaire ou client, mais qui ensuite vont permettre de maximiser l'impact social. Et donc le numérique, forcément, a un rôle majeur. Il y a une couche collaborative, il y a une couche, quelque part, de CRM, de contact, de gestion de tous ces contacts, et de l'évolution, de la transformation d'un bénéficiaire entre le moment où vous avez le premier impact et toutes les phases pendant lesquelles vous allez accompagner l'aider pour arriver au but final, finalement, vers lequel vous êtes fixé. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Si vous me l'autorisez en conclusion, ce que j'invite, finalement, c'est que tous les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs, puissent découvrir Live for Good et surtout de pouvoir
candidater ou en tout cas de vous contacter et de bénéficier potentiellement d'un accompagnement et d'un soutien. Ça serait grand plaisir, parce qu'on va lancer la deuxième version du prix dès début 2017. Donc on c'est la journée des annonces. Des centaines de candidats voilà, sur le site live-fort-good. Voilà, parfait. Merci beaucoup. Merci à tous les trois. Avant de passer aux questions avec les participants, on a un peu de retard, donc j'accélère tout ça. Ce que je vous propose, c'est d'accueillir Frédéric Bardol et à nouveau Sophie Vanier pour une dernière partie qui va être beaucoup plus tournée sur la Big Data. Merci à tous les trois. Je me retrouve un peu tout seul. Bonjour Frédéric. Frédéric Bardol, vous êtes CTO de Data for Good. Alors, Data for Good, ce qui me plaît beaucoup avec Data for Good, c'est que c'est plus qu'une organisation, c'est plus qu'une entreprise, c'est finalement un collectif, mais ça ne parle pas à tout le monde. Donc, est-ce que vous pouvez nous présenter le collectif Data for Good? D'accord. Alors, rapidement, Data for Good, c'est une communauté, je définirais ça à l'heure actuelle. Et la mission de cette communauté, c'est d'aider les associations et les institutions à créer des projets de data science. On s'est aperçu qu'à l'heure actuelle, la data science pouvait aider grandement les entreprises et qu'un effet levier vraiment très fort. C'est-à-dire qu'une petite équipe ou voire une personne peut vraiment aider des dizaines de milliers, voire des millions de personnes. Et notre projet, donc, c'est de permettre, enfin, d'amener ces technologies aux associations pour leur permettre de bénéficier de compétences qui seraient trop chères pour elles à acquérir. Et notre fonctionnement actuel, c'est on fonctionne à travers des saisons d'accélération. C'est-à-dire qu'on sélectionne des projets menés par des associations ou par certains de nos volontaires. Et on va accompagner ces projets pendant 2 à 3 mois. Et à l'issue de cette session d'accélération, on va tous les présenter pendant une grosse journée de démo, enfin une soirée de démo où on va montrer tous ces projets dans le but de motiver tout le monde. Et pendant ces 2 mois, on va aussi proposer des sessions, des ateliers, des sessions de mentorat pour aider nos volontaires aussi à monter en compétences et à s'améliorer eux-mêmes. D'accord. Ce qui m'a plu, moi, c'est le programme d'accélération. Est-ce que vous auriez la possibilité de nous présenter un ou deux projets qui ont été accélérés? Si je ne me trompe pas, il y a déjà eu une première saison. Là, on en est à la deuxième saison qui va se conclure et les résultats seront présentés tout début 2017. C'est ça. Alors, est-ce qu'il y a un ou deux projets de Big Data à nous présenter pour aussi faire comprendre ce concept-là? Alors, donc oui, la deuxième saison est en train de finir. La soirée de présentation aura lieu le 4 janvier à The Family. Tout le monde est d'ailleurs bien invité à nous rejoindre. C'est la journée des annonces, hein, comme vous disiez. Et donc, pour parler de projet, je peux vous mentionner Fratelli, notamment, qui est une association qui met en lien des parrains avec des lycéens qui ont du potentiel. Et en fait, ils étaient confrontés à un problème, c'est-à-dire que pour choisir quel parrain affecter à quel lycéen, ils faisaient à la main. Donc, c'était assez coûteux en temps et en effectif. Et donc, on a réalisé pour eux un algorithme de matching automatique, un peu comme ce qui se fait, par exemple, sur les sites de rencontres. Donc, c'est-à-dire qu'on est capable d'avoir les profils des gens et en fait, on fait des recommandations. On dit, on pense que cette personne avec cette personne peut bien s'entendre. Le choix final est quand même effectué par un humain, mais il y a toute cette partie de présélection qui est effectuée maintenant par un algorithme et qui se fait de manière automatique. Un autre projet que je peux évoquer, c'est le projet Adoptez-moi. On a construit un bot qui retweet automatiquement des animaux qui sont disponibles à l'adoption, dans l'idée d'augmenter leur exposition, en essayant de se dire qu'ils vont être plus facilement adoptés. On a aussi un projet Data for Food, où on a essayé de détecter les intoxications alimentaires dans les restaurants à partir des commentaires sur TripAdvisor. Donc on a plein de projets dans tous les sens, soit portés par des associations, soit des bénévoles en interne. D'accord. Et on travaille en ce moment notamment avec Crésus, Simplon pour la deuxième saison d'accélération. Et on a des beaux projets encore qui vont venir. Et ce qui est aussi important, c'est que finalement, le big data, aujourd'hui, encore, ça fait partie aussi de ces buzzwords où on les entend, on dit tous, des fois j'ai l'impression qu'on essaye tous de dire je fais du big data, mais ça va quand même un peu plus loin quand je vous écoute. Et quand on voit le collectif data, la communauté Data for Good, l'une des questions qui me semble intéressante pour tous les porteurs de projets, c'est selon vous, quelles sont les clés pour mettre en œuvre et réussir un projet de data science? Alors, le gros point, à mon avis, qui est important, c'est de travailler sur la qualité des données que les associations possèdent. C'est souvent un point qui peut être parfois bloquant.
C'est-à-dire qu'on a vraiment besoin, pour bien travailler, d'un historique qui soit le plus grand possible et de données qui soient le plus propre possible. Et à partir du moment où on a ces données qui sont propres, qui sont en grande quantité, là, on va pouvoir commencer le travail. Et souvent, c'est le problème qu'on va rencontrer le plus fréquemment, quoi. Donc le conseil, c'est vraiment essayer de soigner la partie récolte des données, de sensibiliser les bénévoles. Récolter des données juste pour récolter. Si on a des données propres, ça permet vraiment d'avoir un impact plus fort après. Parfait. Merci beaucoup. Oui. Je pense qu'il va y avoir d'autres questions après avec nos porteurs de projet. Oui. Sophie, à toi. Thomas. Je te laisse faire donc la conclusion, une petite conclusion. Et on a dit que c'était la journée d'annonce, donc je crois qu'il y a aussi des annonces. Donc c'était à toi maintenant. Très bien. Alors déjà, je voudrais vraiment remercier Marion de la Fondation Sigfox qui a donné un exemple magnifique de bissociation, c'est-à-dire le rhinocéros connecté pour préserver les espèces en voie de disparition. Je trouve que là, on a une belle rencontre inattendue et qui fait écho aussi aux improbables d'Edgar Morin. Et c'est sur ça que je voudrais faire la transition. C'est que Edgar Morin dit que dans des situations qui semblent inextricables dans l'histoire de l'humanité, il y a eu des choses improbables qui nous ont permis de sortir par le haut. Je pense que vraiment dans la transition dans laquelle nous sommes, toutes ces rencontres entre le cloud, les data scientists et les acteurs de terrain, l'action sociale, va nous permettre de créer des grandes choses et de provoquer de l'impact. On en a parlé, par contre, cet impact et ces projets, ils doivent être accompagnés. Il faut accompagner la professionnalisation. C'est pour ça qu'on est très heureux d'annoncer effectivement qu'il y a un concours qui est né, qui s'appelle le Digital Impact, qu'on a lancé cette semaine justement à l'occasion de la Social Good Week. Ce concours, ce programme, il a été co-construit avec des partenaires, Microsoft, Microsoft BizSpark, Orange RSE et Orange Fab, la Fondation Rexel, et aussi une école l'INSEC. Et je voudrais vraiment les remercier parce que ça allait extrêmement vite, puisque à partir du moment où on s'est dit qu'il y a vraiment un besoin et il faut allier nos forces, le concours est né très rapidement. Ça allait vite parce qu'on partage vraiment cette vision que le digital a un réel potentiel de levier et de développement économique pour les territoires. Et donc du coup, on a créé ce programme qui a pour ambition de détecter sur les territoires, de promouvoir et d'accompagner très concrètement les projets, alors que ce soit des projets associatifs qui pivotent vers le numérique ou plutôt des start-up qui, parce qu'il y a cette quête de sens, souhaitent du coup intégrer une dimension plus sociétale dans leur lancement. Donc l'appel à candidature est ouvert, donc c'est sur le site digital-impact.org. Tous les porteurs de projets dont le projet est porté par une structure de moins de 3 ans, qui ont une petite preuve de concept quand même, peuvent déposer leur projet. Il y a ensuite des sélections dans des régions, donc il y a 5 villes ambassadrices, Marseille, Bordeaux et Paris, donc là où nous avons des ruches, mais aussi Lille et Rennes. Pardon. Et à la suite de ces jurys régionaux, il y aura une dizaine de lauréats qui seront accompagnés pendant 10 mois, à la fois par nos partenaires, donc très concrètement sur justement cette transition digitale avec des outils, des services digitaux, donc par Microsoft, les services cloud, etc., et Orange Fab, et par nous, et par tout un réseau de partenaires aussi en région, sur les aspects plus viabilité du modèle économique, etc. Parfait. Donc, je vous invite à aller sur digital-impact.org. Tu m'as piqué, en fait, ma conclusion, c'est ce que j'allais dire. allez quand même sur digital-impact.org. On va passer maintenant à une session d'échange. En fait, aujourd'hui, vous avez vu des intervenants qui se sont un peu succédés, etc. Mais en fait, de ce côté-là, du côté que vous ne voyez pas, il y a des participants. Et dans ces participants, on a 4 porteurs de projets. Donc, on va voir qui ont la possibilité, en fait, outre de nous présenter, surtout, on voulait les avoir à nos côtés pour qu'ils puissent aussi poser des questions directement, avoir la voix de porteurs de projets autour du cloud, autour du big data et autour des sujets qu'on a abordés aujourd'hui. Donc, j'ai le plaisir d'avoir à nos côtés Alexia Dugénie de Synlab, Lionel Babin de Petit Frère des Pauvres, Olivier Cueil de Microdon et Xavier Dupré, qui est chercheur à l'ENSAE et collaborateur Microsoft. Et donc, je vais apporter les micros. Et je vais commencer par vous, Alexia. Tenez. Merci. Alors, Alexia, est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a un sujet spécifique que vous vouliez aborder aujourd'hui avec nos différents intervenants ou avec l'un de nos intervenants?
Alors, oui, donc chez SYNLAB, en fait, nous, on est particulièrement concernés par le numérique éducatif. Pour présenter l'association en quelques mots, on est un laboratoire citoyen de recherche-action dont la mission et le rêve, c'est de permettre à tous les élèves, tous les enfants, de développer leur potentiel, en fait. Donc, on va travailler sur les compétences sociales, civiques et humaines. Pour ce faire, en fait, on a plusieurs actions. On vient en appui des acteurs éducatifs. On essaye de mobiliser les talents autour de la transition éducative. Plus concrètement, ça va donner des projets comme développer des outils, développer des dispositifs d'accompagnement en présentiel et en numérique. Donc j'en profite parce que c'est les annonces pour annoncer le lancement notamment du MOOC coopérer et créer avec ses élèves Mission Possible qui sera lancé le 4 janvier. Donc on a plusieurs projets comme ça, on essaye bien entendu de travailler main dans la main avec les institutions, c'est pourquoi on a notamment développé le diplôme universitaire acteur de la transition éducative avec l'université Paris-Descartes. Et enfin, là, le projet qui se développe en ce moment et qui concerne plus particulièrement le numérique éducatif, c'est le développement d'une plateforme mise à disposition des enseignants pour se développer professionnellement. Voilà, donc c'est un petit peu dans ce contexte-là que moi je vais poser ma question que j'ai bien mûrie pendant, pendant cette heure d'intervention. Donc en fait, nous, ce qui nous concerne, c'est comment faire en sorte que le big data soit mis au service des apprenants, c'est-à-dire de notre côté, comment pouvons-nous nous servir de ces données pour personnaliser l'expérience des apprenants en fait. Donc si je ne me trompe pas, c'est Frédéric et non pas Sophie actuellement que vous voulez interroger. Merci. donc, encore une fois, tout va dépendre du coup des données que vous possédez déjà. Et je ne sais pas si vous avez par exemple des applications qui sont déjà en place. Alors, on est au tout début du projet. Là, ce que je cherchais un petit peu avec cette question, c'est un petit peu votre expérience et de savoir s'il y a déjà des sites web qui sont développés dans ce sens-là, en fait. Alors, il existe à l'heure actuelle des solutions d'adaptative learning qui permettent justement d'apprendre de manière... En fournissant à chaque individu un contenu différent, suivant là où il en est dans son apprentissage. Mais toutes les solutions que je connais à l'heure actuelle sont des solutions propriétaires, donc développées par des entreprises. La plus grosse s'appelle Newton aux États-Unis. Ils ont justement un partenariat avec beaucoup d'entreprises, enfin beaucoup d'universités américaines, où l'idée, c'est d'avoir une plateforme d'apprentissage numérique et en fait qui est adaptative, où chaque apprenant va avoir un parcours qui va lui être propre. À ma connaissance, ça n'existe pas encore de manière ouverte, de manière en France, mais si vous voulez lancer ce genre de choses, notre prochaine saison d'accélération est au printemps prochain. Donc si vous voulez monter un projet par exemple là-dessus, on peut voir comment on peut vous accompagner là-dessus. Super. Voilà. Okay. Ouais, merci beaucoup, c'est des bons exemples déjà, on a de la matière et de quoi discuter un peu plus longtemps. Super. Merci beaucoup Alexia. Ce que je vous propose, c'est de passer le micro juste derrière vous à Lionel Babin, qui est en fait CTO, DSI, le lapsus américain, DSI chez les Petits Frères des Pauvres. Donc les Petits Frères des Pauvres, donc... On est une association qui soutient les personnes âgées, donc partout en France, c'est 12 000 bénévoles sur toute la France. Et donc en fait, nous, notre projet, ça a été il y a un peu plus d'un an d'apporter une solution numérique au terrain, qui était d'apporter de la mobilité, du travail collaboratif et de la visioconférence. Et donc on s'est dirigé quasi naturellement vers la solution Office 365. Par rapport à ça, ce qu'on disait tout à l'heure avec Solidatech, c'est que effectivement l'inscription se fait à travers le site de Microsoft ou auprès d'ADB Solidatech, que c'est quelque chose de très simple, qu'on bénéficie tout de suite de tarifs très avantageux pour installer la suite Office sur les postes clients. Et même des solutions gratuites en version online. Clairement, il y a un an, on a démarré le projet sur trois sites pilotes. Aujourd'hui, on a quasiment déployé 80% de la solution sur toute la France
parce que le besoin s'est fait du terrain directement. Et donc, du coup, le déploiement s'est accéléré. Donc, les étapes, ça a été ça. C'était répondre à un besoin terrain, apporter une solution avec la solution Office 365, déployer sur toute la France. Aujourd'hui, il nous reste encore du travail à faire, mais effectivement, par rapport à ce qu'on discutait tout à l'heure, c'est que et puis Microsoft et Solidatech ont apporté une partie de réponse là-dessus. C'était, on oublie souvent l'accompagnement au changement, ce qui aujourd'hui nous pose un peu défaut sur ce projet-là, parce qu'on s'est retrouvé avec des outils comme SharePoint, Yammer, plein d'autres produits qui arrivent, des briques Microsoft qui arrivent dans l'outil Office 365. Et du coup, on arrive avec des utilisateurs qui commencent à utiliser les outils par eux-mêmes et qui s'arrêtent assez rapidement parce qu'il y a un manque d'accompagnement sur ces outils-là. Donc apparemment, il y a des choses qui se... Effectivement, je pense que ça peut être intéressant, par contre, que Edouard ou Nesrine prennent la parole à ce sujet-là sur le complément. Edouard, je crois que tu n'as pas besoin du micro. Tu es encore branché ? Non, je ne suis plus branché. Ah. Donc, on va le prendre. Bonjour, donc ravi de effectivement, pouvoir entendre ce retour d'expérience. Donc, effectivement, c'est une réalité, je pense aussi globalement, de manière générale, de toutes les personnes avec lesquelles on peut travailler, encore une fois, dans le domaine associatif ou entreprise, c'est le rythme d'innovation de Microsoft. Encore plus dans un monde de cloud, en fait, il est tellement rapide que ça pose des enjeux en termes d'adoption, effectivement, par les communautés, parce qu'en fait, on a à peine déployé un nouveau service que tout de suite, il y en a un nouveau qui arrive. Et donc, il y a la gestion du changement à gérer. Donc, c'est pour ça que j'expliquais tout à l'heure que Microsoft, nous, on va faire une partie du chemin. C'est-à-dire qu'on va mettre à disposition un catalogue de services, que ce soit sur du SaaS, en l'occurrence Office 365, ou sur des solutions type plutôt effectivement infrastructure ou data avec Azure. On doit être accompagné. Donc c'est le cas pour les entreprises, c'est le cas aussi pour les associations. Donc là, effectivement, je pense que tout l'écosystème qui est présent aujourd'hui peut remplir ce rôle. Pour vous accompagner au quotidien, ça veut dire quoi vous accompagner au quotidien? C'est effectivement le déploiement des outils pour que vos bénévoles, vos salariés, votre communauté puissent les utiliser de la meilleure des manières possibles. Et puis surtout anticiper les roadmaps, anticiper les nouveaux services qui vont arriver. Parce que du coup, effectivement, ça va vous permettre d'anticiper les problématiques, par exemple, liées à la sécurité. Premier exemple, mais surtout anticiper les nouveaux usages. Et donc pour vous, c'est potentiellement de nouvelles manières de travailler, de nouvelles manières, de nouveaux outils à donner à votre communauté pour qu'ils puissent effectivement remplir leur mission. Donc nous, Microsoft, on a un rôle à jouer pour vous accompagner, pour vous former vos équipes, mais surtout être capable de vous pointer les bonnes personnes pour vous entourer au quotidien et anticiper ces nouvelles vagues régulières de nouveaux produits. Petite anecdote, c'est que même chez Microsoft, parfois, c'est pas évident de suivre. Donc, c'est un nouveau paradigme, en fait, par rapport à l'ancien monde. On avait des évolutions de produits à rythme régulier, ce qui permettait à nos clients, les organisations, de pouvoir anticiper. Généralement, c'était tous les 3 ans. Maintenant, c'est tous les jours sur Azure. C'est même plusieurs fois par jour, parfois. Donc, effectivement, c'est un enjeu. Et donc, voilà, on est prêt à vous accompagner par rapport à ça. Merci beaucoup. Je passe la parole maintenant à Olivier Cueil, qui est cofondateur de Microdon. Alors, tu m'as déjà partagé, on s'est croisé cette semaine, donc tu m'as déjà partagé deux questions. Je sais qui va être sollicité, etc. De façon très courte, je te propose de poser tes deux questions. Et on va essayer de trouver des réponses concises. Merci beaucoup, merci Thomas. Peut-être juste un tout petit mot. Donc Olivier Cueil, je suis le directeur général et cofondateur de Microdon, une entreprise sociale et solidaire. Ça fait 8 ans maintenant qu'on développe en France cette jolie idée qui est l'arrondi solidaire, cette idée de faire lors de ses achats à la caisse d'un supermarché un don de quelques centimes en arrondissant le montant de ses achats à l'euro suivant, ou bien lorsqu'on fait une recherche sur Wikipédia, de donner 2 euros pour cofinancer les projets. C'est toute cette veine d'idées de financement participatif sur des très petits montants quotidiens. Les deux challenges qui m'ont questionné quand Thomas m'a invité, et je suis très heureux de partager ce moment de la Social Good Week une année de plus avec nos amis des Loasso, les deux questions qui me sont venues à l'esprit, ça concerne dans un premier temps ces briques technologiques, ces outils qu'on a dû créer pour mettre à disposition des entreprises clientes, une enseigne de distribution ou une grande entreprise employeuse en France qui veut proposer l'arrondi sur salaire à ses salariés. C'est une entreprise à laquelle on fournit des solutions logicielles qu'on a développées spécialement pour gérer ces arrondis solidaires. Et il y a 8 ans déjà, on a bien compris que ça allait être un challenge.
de créer des briques de solutions à valeur ajoutée avec une grosse dose de sécurité, parce qu'il allait falloir gérer des données relativement sensibles liées à l'engagement des salariés sur leur volonté de donner à des associations, etc. Mais la réalité, c'est que sur les 8 années qui se sont écoulées, on a vraiment vécu des caps, on a franchi des caps importants qui ont été simplement dictés par les questions de sécurité, de cybersécurité et les agressions sans cesse plus violentes et répétitives du réseau Internet qui est en proie à toutes ces menaces. Et aujourd'hui, je dois rassurer mes clients pour leur dire que tout ça est toujours parfaitement sous contrôle et très sécurisé, mais ça commence à nous coûter de plus en plus cher. Et on a aussi l'impression de passer beaucoup de temps à sécuriser nos infrastructures, fiabiliser nos logiciels, ce qui est vital, mais qui nous laisse aussi de moins en moins de temps, en tout cas qui demande de plus en plus d'investissement pour fabriquer les nouvelles fonctionnalités et faire en sorte que ce qui converge vers notre impact social, qui est la collecte de dons, soit bien proéminent. Donc la question que je me pose, c'est est-ce que c'est un constat partagé? Est-ce qu'il y a des solutions qui se mettent en place? Et comment vous nous accompagnez dans les 5 ans à venir sur les technologies de cloud pour nous décharger, si possible, de ces enjeux de sécurisation et nous accompagner même dans le développement plus rapide des solutions logicielles? Et donc, je vais peut-être aussi la commencer, peut-être quelqu'un voudra compléter. Je pense que d'un point de vue à Microsoft, donc clairement le constat il est partagé, il est partagé chez Microsoft de manière générale, y compris évidemment et d'abord jusqu'aux équipes effectivement qui développent, donc les équipes engineering, notamment aux États-Unis à Seattle. La sécurité est dans l'ADN de Microsoft depuis toujours. Je veux dire, nos premiers produits, que ce soit Windows, Office, intégrer effectivement un certain nombre de briques de sécurité pour garantir la privacy. On en parlait, c'était des notions qui étaient moins présentes à l'époque, mais c'était déjà natif dans nos produits. En 2006, il y a eu des initiatives, notamment lancées par Bill Gates, sur le domaine effectivement de la sécurité pour être encore beaucoup plus présent, contribuer effectivement au code pour garantir cette sécurité. Et dans nos briques cloud, donc Azure, Office 365, CRM Online, la sécurité est, j'allais dire, quasiment le premier investissement qu'on fait. Juste pour donner, et ça rebouclera avec l'introduction, donner des chiffres, Microsoft, sur Azure et nos plateformes de cloud, c'est 15 milliards investis les 6 dernières années, c'est 5 milliards en Europe, notamment, donc en l'occurrence, sur nos centres de données, qui est le cœur de la sécurité finalement, puisque c'est là où sont hébergées les données de nos clients, des organisations. 5 milliards en Europe, parce que là on a annoncé des nouvelles régions en France. Pourquoi? Parce qu'on est conscient finalement qu'il faut être au plus proche de nos clients, pour des raisons techniques. C'est-à-dire, effectivement, j'ai des données dans un centre de données, il faut qu'effectivement la distance soit la plus courte possible pour éviter la latence, mais surtout pour respecter un certain nombre de réglementations par rapport à des industries spécifiques. Et donc, tout ça, ce sont des exemples parce qu'effectivement, on a à cœur, Microsoft, pouvoir garantir cette sécurité. Concrètement, le constat, vous l'avez expliqué, c'est qu'aujourd'hui, il y a un contexte de cybersécurité, de cybermenace qui est de plus en plus fort, qui s'impose aux entreprises, aux associations, à tout le monde. Je veux dire, personne n'est à l'abri. Et le web, les technologies du web et du digital font que renforcer cette menace, cette opportunité pour certains, cette menace pour nous. Et donc, il faut s'y protéger. Et aujourd'hui, personne, j'allais dire, à part quelques entreprises au niveau mondial, personne n'est capable de se préparer à ces menaces parce que finalement, ces hackers sont toujours en avance. Et donc, si on veut protéger finalement et respecter l'intégrité en fait de son entreprise, de son patrimoine applicatif, de son patrimoine de données, de collaborateurs, il faut y être préparé. Et donc, nous, effectivement, on accompagne notre écosystème au quotidien sur ces outils. Pour donner quelques exemples, là, j'explique que le constat est partagé. Pour être encore plus concret, j'ai pas eu l'occasion d'en parler tout à l'heure, on a cette initiative chez Microsoft qui s'appelle Trusted Technology, Trusted Cloud, parce que c'est d'abord une histoire de confiance. Donc nous, on a un devoir de transparence vis-à-vis des acteurs avec lesquels on va travailler. Donc vous, par exemple, pour vous expliquer ce qu'on fait. Ce qu'on fait au niveau de nos équipes engineering, ce qu'on fait au niveau de nos équipes de développement, ce qu'on fait dans nos data centers, comment on opère nos data centers, comment on garantit la sécurité des données, ce qui va se passer au sein des applications, au sein des bases de données, par exemple pour mettre des mécaniques d'encryption, pour s'assurer que personne ne va avoir accès à ces données. Aller jusqu'au bout de la chaîne, et jusqu'au bout de la chaîne, c'est pas s'arrêter dans nos centres de données, c'est aller jusqu'au niveau de l'application, vous citiez Office 365,
de manière native et intégrée dans Office 365, dans Outlook, dans Skype. On va intégrer des briques de sécurité et aller jusqu'au bout de l'étape, à savoir le device, c'est-à-dire le smartphone, la tablette, le PC, parce qu'effectivement, les menaces de sécurité, elles peuvent arriver à n'importe quel moment. Et donc, on a de cette stratégie, finalement, de pouvoir proposer une approche 360, une approche de bout en bout. Donc, ce devoir de transparence, c'est juste pour terminer, on le doit. Et donc, on va beaucoup plus loin, c'est-à-dire en fournissant les rapports d'audit. On a effectivement des infrastructures qui sont auditées en temps réel. Et donc, on partage ces rapports avec les personnes avec qui on travaille, les organisations, pour pouvoir vous rassurer et pouvoir répondre à toutes les exigences qui sont les vôtres. Qui sont les nôtres et qui sont celles de nos clients. C'est ce que j'ai oublié de préciser dans la question. C'est que de plus en plus, on nous demande, lors de la mise en place des contrats de service avec nos clients, de nous engager nous-mêmes sur les moyens qui sont mis en œuvre pour protéger l'accès physique aux sécurités des données des serveurs, etc. etc. Donc, je suis ravi d'entendre ça. Et un lien, et on aura l'occasion de nous d'en reparler peut-être en off après, mais pour peut-être les personnes, on a un site web, et je ne veux pas pointer une énième ressource aujourd'hui, mais un site web qui s'appelle Microsoft Trust Center, encore une fois Trust, sur lequel on peut retrouver tout un tas de contenus, de vidéos, de white paper, enfin voilà, il y en a pour les plus curieux aussi, pour pouvoir avoir toutes ces informations et encore une fois rassurer vos clients, effectivement dans ma réponse, mais c'était intégré, c'est aussi tout l'écosystème avec lequel on travaille. Vous parliez du retail, on pourrait citer le secteur aussi financier dans lequel il y a tout un tas de réglementations extrêmement pointues et sur lesquelles on travaille au quotidien. Donc avec plaisir pour vous aider là-dessus si on peut. Merci. Merci beaucoup. Un dernier intervenant, une dernière question peut-être. Xavier Dupré, donc, vous êtes chercheur à l'ENSAE, mais en même temps vous êtes aussi collaborateur Microsoft. Alors est-ce qu'il y a, par rapport à ce que vous venez de voir aujourd'hui, est-ce que vous avez une question particulière à poser aux différents intervenants ou à l'un des intervenants ? Une question peut-être liée à l'expérience que j'essaie de développer en tout cas avec les étudiants de l'ENSAE, qui est, comme je travaille à la fois dans le privé et que je suis professeur à l'ENSAE, j'adore mélanger les mondes. Et donc en ce moment, ce que j'essaie de faire, c'est de mélanger un peu le monde caritatif avec l'enseignement, comme j'essaie d'explorer de nouvelles façons de motiver des étudiants qui ont toujours l'habitude de travailler sur des données un peu très propres, on va dire, parce que c'est le monde académique, et ils n'ont pas souvent affaire... à des processus humains de collecte de données. Et donc, on s'aperçoit que quand ils sont confrontés à ces données-là, ils sont d'abord très motivés, ils adorent, ils s'éclatent, ils appliquent ce qu'ils ont appris à l'école. Et quand en plus c'est pour un milieu caritatif, alors là, ils sont encore plus motivés que c'était pour, de grandes entreprises. Et dans ce contexte-là, en fait, on s'aperçoit que je parle de données. Donc, quelque part, je suis au bout de la chaîne. L'association a été créée, elle a eu son objectif, elle s'est intéressée à beaucoup de problématiques, et puis enfin, après quelques années d'existence, elle arrive avec... parce qu'elle a réussi à collecter des données, et comme Data for Good le rappelait tout à l'heure, c'est pas toujours... C'est du vécu. Et dans ce vécu-là, c'est difficilement exploitable. Et ma question est peut-être liée à tout ça. Est-ce qu'il y a une façon en fait, de transmettre, moi qui arrive en bout de chaîne, un message qui pourrait dire, dès que vous commencez une association, pensez aux données que vous allez collecter parce que plus tard, elles vont vous servir. Comment mettre en place, comment convaincre les gens de s'y attaquer tout de suite ? Je pense que Frédéric va peut-être y répondre, mais en soi, vous venez de le faire, parce que vous venez de l'indiquer, et je pense que maintenant, Microsoft va devenir le porte-parole aussi, et tous les acteurs qui étaient là, à partager ce message de l'importance de la data. Mais je te laisse compléter. Effectivement, ouais, il y a vraiment un besoin d'améliorer ce qu'on appelle la data literacy au sein des associations. C'est un travail que nous, on n'a pas encore commencé, parce qu'on était un peu naïf au début. On se pensait qu'on allait récolter des données qui seraient propres, qui seraient bien et que tout irait bien. On se rend compte qu'il peut vraiment y avoir des problèmes des fois, qu'il y a un problème de qualité des données, il y a un problème de la manière dont elles sont gérées, dont l'historique est géré, qu'on en discutait tout à l'heure. On va vraiment avoir des soucis là-dessus. Je pense que c'est un travail à faire vraiment en amont des projets, par exemple, que nous, on fait avec Data for Good, cultiver cette data literacy dans les associations. Je sais qu'il y a des associations qui travaillent sur ce genre de projet, comme l'école des données. Typiquement, c'est vraiment leur cœur de... Pas de métier, enfin, cœur d'association. Et c'est vraiment, ouais, un de nos axes pour 2017, c'est aussi travailler là-dessus, c'est d'essayer d'aider les associations à gérer ça. Je ne sais pas s'il y a une recette miracle, enfin, nous on ne l'a pas encore, mais je pense que c'est surtout de la discussion et peut-être montrer des projets aboutis
ça peut aider aussi à montrer à quoi ça sert. Quoi. Parce qu'en fait, si on récolte juste des données sans trop savoir le potentiel qu'il y a derrière, je pense que c'est pour ça que les gens ne font pas spécialement attention à la manière dont ils le font. S'ils ont conscience de comment ils le... Enfin, des objectifs finaux, ça peut les aider à améliorer peut-être la manière de leur récolter les données. Bon, je vois qu'il y a une dernière micro-question. Je pense que Béatrice va me taper dessus un moment, mais Olivier, vas-y, pose ta question. C'était effectivement la deuxième question que j'espère explorer avec vous aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est que contrairement à ce que j'entends jusqu'à présent, moi, j'ai la chance d'avoir des données propres et structurées et nombreuses. Donc j'ai des centaines de milliers de données de dons structurées qui arrivent chaque mois des différents réseaux de magasins dans lesquels les gens font des dons anonymes à la caisse des supermarchés en appuyant sur la touche verte de leur terminal de paiement pour dire oui, je veux arrondir le montant de mon achat à la caisse du magasin Adidas et donner à Ciel Bleu et Univers le Sport, par exemple. Et aujourd'hui, la seule utilisation que j'ai le loisir de faire de façon stricte et formelle et concrète, c'est gérer la collecte de bout en bout de ces dons pour m'assurer qu'ils arrivent aux associations. C'est génial, c'est le minimum vital que je dois faire avec ces données. Tout le monde me le reconnaît. En revanche, je suis persuadé que pour maximiser mon impact social, je devrais pouvoir poser des formules mathématiques, des modèles, des algorithmes sur ces données pour commencer à comprendre quelles sont les régions des magasins Nature et Découverte qui sont les plus prometteuses, celles vers lesquelles je devrais envoyer des signaux, des SMS, des emails, des messages d'encouragement pour mobiliser les équipes magasins parce qu'elles se démobilisent et que les données devraient pouvoir me le dire, me l'enseigner. Et aujourd'hui, j'ai du mal à démarrer ce genre de projet. Le côté poser de l'intelligence sur les données. Alors, j'ai des données propres. Donc, contrairement à pas mal, j'ai l'impression que j'ai déjà une première étape importante franchie. Mais la question, c'est qui et comment, donc je suis venu chercher des réponses et j'en ai déjà une partie, qui et comment engager un projet d'analyse intelligente de ces données pour lever des indicateurs, des triggers, des règles, des automations qui vont découler de ça, etc. Alors si vous êtes une entreprise sociale et solidaire, tu mets que c'est le cas, du coup non, on travaille avec ce genre d'entreprise. La seule contrainte qu'on a, c'est que le code est ouvert à chaque fois sur les projets qu'on produit. Que ça puisse être réutilisé par tout le monde pour ne pas favoriser une entreprise par rapport à une autre, même si elle est solidaire. Mais donc les données restent votre propriété, mais le code est ouvert. Et on serait heureux de travailler avec un projet comme ça pour la prochaine saison, printemps 2017, typiquement. Ce qui se passe, c'est qu'en général, les associations arrivent et ne savent pas vraiment quoi faire de leurs données. Il y a toute une partie de notre préparation où on essaie de trouver des choses à faire ensemble, des projets à mener avec les équipes de volontaires qui, eux, ont plein d'idées, en général, des idées plein la tête. Voilà. Rendez-vous au printemps ? Exactement. Voilà, on vient de passer un peu plus de 90 minutes ensemble. On a abordé pas mal de sujets. J'espère en tout cas, comme moi, que vous aurez apprécié tout ce qui a été dit. Merci à chacun pour vos témoignages, votre intelligence et tout ce que vous nous avez présenté, votre sincérité. Un grand merci à Microsoft. Ça fait 2 ans que Microsoft est aussi partenaire de la Social Good Week. C'est important pour nous aussi d'avoir un acteur comme vous à nos côtés, et qui s'engage en fait pour tout le secteur de l'innovation sociale, parce qu'être partenaire de la Social Good Week, c'est surtout ça, c'est finalement promouvoir l'innovation sociale au sens large et aussi tous les programmes que vous proposez au travers de vos actions et votre intégration au sein du programme Solidatech. Et donc, moi, ça m'a fait bien plaisir d'échanger avec vous tous, et je vais terminer en fait cet événement par une citation d'Oscar Wilde, qui me plaît beaucoup et qui fait un peu, puisqu'on arrive à la fin de la Social Good Week, Oscar Wilde disait « Le progrès n'est que l'accomplissement des utopies ». Et au travers des différents témoignages, au travers des différentes idées qu'on a pu entendre aujourd'hui, c'est un peu ça. On a à un moment eu tous des utopies, des visions qui peuvent paraître un peu loufoques pour certains, complètement anecdotiques pour d'autres, et on a réussi à les mettre en place. Et c'est ce qui est le plus plaisant aujourd'hui, c'est que tous les témoignages, toute la volonté qu'on a vue, était très positive. Et voilà, donc le numérique, une chance pour nous tous. Je vous souhaite une très bonne fin de Social Good Week. Il ne nous reste pas beaucoup de jours, et donc profitez bien et à très bientôt.